Salut, salut à tous, bonsoir, bienvenue dans ce dernier vocal de la Solana French Community, dernier vocal de l'année, avec une grosse soirée au programme, gros menu ce soir avec un guest VIP star invité Anama, Anton de Starlaunch qui va nous faire le plaisir de répondre à toutes nos questions et à vos questions et qui est venu avec un gros sac de Père Noël plein de stars pour vous. Ils n'ont pas fait semblant ce soir chez Starlaunch, donc on va avoir plein d'infos. Voilà, on va essayer de le cuisiner, de mijoter à Colton pour avoir des infos sur cette application qui fait pas mal de bruit sur Solana. Ensuite, à 22h, on est parti pour notre vocal spécial Noël avec pas mal de surprises, pas mal de dollars à récupérer. Le but, c'est vraiment qu'on passe un bon moment tous ensemble et qu'on rigole bien. Il y aura pas mal de rubriques assez sympas qu'on vous a préparées pour ce soir. Avant tout, évidemment, on va saluer nos experts. Salut Kim, comment tu vas? Salut, bonsoir tout le monde, ça va bien, merci. Salut Nesfufer, tu vas bien? Salut, ça va très bien, et toi? Et merci encore d'avoir organisé cette petite amas de Noël. On va se régaler ce soir, je pense. Yes, c'est clair. Salut Amérique, ça Salut, va? salut, très bien. Allez, c'est parti. Évidemment, welcome Colton. Hello, welcome. What's up? Hi, yeah, thank you guys for having me, and thanks to the Solana community for the French Solana community for having me. Yes, Solana. Donc Colton qui est en USA. Donc allez, c'est parti. Donc ce sera Kim qui va conduire cet amas avec Emeric pour la traduction et puis évidemment nos experts qui seront là pour intervenir, essayer de commenter et nous faire un peu mieux comprendre cette application, vers où ils vont, etc. On va essayer d'avoir plein d'infos ce soir. Donc c'est parti Kim, je te laisse attaquer l'amas. Yes, so let's start with Hema. First of all, we are happy to receive you here, Colton, on our YouTube channel. Could you please introduce yourself, then the Starlaunch team and the project, please? So my name's Colton. I'm the Let me make sure I'm unmuted here. Yes, I'm the lead community manager for Starlaunch. Our CEO and fearless leader is Attash Amir, and our COO, the man with the plan, is Josh Simpson. Behind them, we've got a motivated team with a pretty diverse range of talent from all over, it seems like. Starlaunch is an insured launch pad designed to connect a community of backers with trusted projects. We have an emerging focus on gaming and the metaverse. We're pushing the guild concept forward. We want to connect engaged users to partnered gaming projects. But we'll also help to give these projects the tools they need to flourish in the gaming ecosystem or otherwise. Okay, thank you, Colton. So I will translate what you said. So, donc en fait, Manu demandait d'introduire le projet, comprendre ce que fait Starlaunch. Donc en fait, Colton, qu'on a ce soir, est le community manager de Starlaunch. C'est une équipe qui est basée principalement, enfin qui a été fondée par deux personnes, Atish Amir, qui est le CEO. Et puis le chargé de développement qui est Josh Simpson. Donc en fait, Starlaunch, bon, je pense que beaucoup de ceux qui écoutent connaissent, c'est un launchpad. C'est le premier et le seul launchpad sur Solana qui est assuré et qui met en relation les investisseurs sur des nouveaux projets qui se lancent sur l'écosystème Solana avec le fait que Starlaunch à un thème tout particulier sur le jeu et le métaverse. Donc, ils vont mettre en place un concept de guilde que probablement Colton va nous expliquer un petit peu plus tard, avec un certain nombre d'outils qui vont être disponibles sur la plateforme. Okay, thanks. So here my first question, Colton. How did you come up with the idea behind Starlaunch, and what inspired you? Necessity with most of these choices. With Starlaunch, we took a proven model, a la Cardstarter, and we applied it to Solana. And it really started as simple as that. But most of us here are gamers at heart. So as we saw the gaming and metaverse scene really heating up, we quickly realized that we have a bigger role to play in the space. Ok, donc en fait, la question était de comprendre qu'est-ce qui a inspiré Starlaunch et pourquoi
Pourquoi ce concept? Donc en fait, l'équipe avait démarré antérieurement Kartstarter sur Cardano, que peut-être certains connaissent ici, et ils ont essayé de dupliquer du coup ce modèle sur Solana. Avec toujours cette approche autour du métaverse et autour de développer tout cet écosystème dans Solana. So why did you decide to launch on Solana? Solana is fast, affordable, and scalable. And these three qualities to us tell the whole story in terms of how well Solana will do as time goes on. And having these qualities without the need for layer two solutions, like you see with Ethereum and other chains, I think is a huge sign, a good sign for gaming in particular. Donc en fait la question c'est pourquoi Solana en particulier et en fait c'est les aspects de rapidité, d'accessibilité, d'évolutivité de la plateforme qui les a intéressés et le fait également qu'il n'y ait pas de layer 2 de seconde couche comme on peut connaître par exemple sur le réseau Ethereum qui fait que pour eux c'est une solution bien plus pérenne dans le temps. Okay, so what are the differences between other launchpad and yours, or what would be your originality? Okay, so this is a really exciting part for me, so bear with me if it's a long answer. Besides insurance, our participation model is novel. Through the secondary token utility of Hydrazine, we were able to do away with the tiers, minimums, and lotteries that most launchpad users are unfortunately familiar with. These mechanics are usually used to try to keep allocation sizes larger when you have a lot of people who want to participate, but they're also hostile to the users, especially those with less capital. So we opened up the model. Any eligible user who burns any amount of Hydrazine for an IDO will receive an allocation, and users can save their Hydrazine for future launches. This turns the problem of smaller allocation sizes into a solution to what we see as one of the more cynical aspects of the launchpad scene. So across multiple launches, we hope to see that this model encourages users to save and participate in launches for projects that they're truly engaged with, instead of feeling like they have to participate in every single IDO that comes along or they'll lose value. And every time a user passes on one project that they're less excited by to save up for another one, the users who do participate will see larger allocations. Donc en fait, pourquoi ce launchpad est différent des autres et en quoi il est original? Donc en fait, bon, Colton, vous avez compris, est particulièrement enthousiaste sur cette question. Donc en fait, c'est un modèle tout nouveau où en fait, l'Hydrazine, qui est ce fameux token qu'on farm grâce aux stars, a une vraie utilité et change complètement l'aspect des launchpads classiques, puisqu'en fait, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de loterie, il n'y a pas un système de tiers, il n'y a pas un système où un utilisateur va être plus favorisé que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils mettent vraiment en avant. C'est un modèle qui est accessible à tous. Tout le monde peut mettre ses stars, farmer de l'hydrazine et puis brûler cette hydrazine sur les projets de son choix. Ça aussi, c'est quelque chose de novateur. On n'est pas obligé de participer à tous les lancements, on peut être sélectif, décider de ne pas prendre un projet pour attendre plus tard et mettre plus d'hydrazine en question. Donc c'est un modèle très nouveau et c'est en quoi ils estiment que c'est un launchpad tout à fait original. Ok, thanks. As an observer, we can see a kind of war between launchpad and Solana. How do you plan to offer a correct number of IDO and quality projects for cadets? So there's no shortage of projects that want to launch. The problem there is that not everyone trying to build has a solid product, and many projects have gaps in terms of development or sustainable fundraising plans. And helping to close those gaps for projects is exactly where we excel. And I think that sets us apart from other launch pads. I hope that answers your question. Donc en fait, c'est en quoi il y a énormément de launchpads sur Solana. Donc en quoi
Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à se différencier et offrir des IDO de qualité au travers du Cadet. Donc en fait, ce qu'explique Colton, c'est que l'avantage sur Solana, c'est que les projets ne manquent pas. Ça, c'est quand même le point le plus important. Et donc en fait, ils sont ensuite sélectifs pour prendre les projets de qualité et amener sur le launchpad ces projets en question. So, Colton, we talk about Hydrazine. Could you explain to us how it works, please? Certainly, and I hope this makes the earlier answer a little more clear. So, Hydrazine is the ticket into IDOs. It's generated and distributed at a fixed rate of 1,080 Hydrazine per hour across all the wallets that are staking stars proportionally to how much stars they have staked. So, to register for an IDO, you choose an amount and you burn it permanently during the burn window. They're securing an allocation that you can then purchase during the whitelist sale. Your allocation size is determined by how much Hydrazine you burn relative to everyone else, and it's capped at 1% of the total allocation per wallet. This means you can burn any amount of Hydrazine and secure an allocation. And again, we encourage users to save Hydrazine for projects they're truly excited to invest in and use or play. Donc la question, c'était de comprendre à quoi sert l'hydrazine et comment ça fonctionne. Donc en fait, l'hydrazine, c'est ce qui permet de participer aux IDO. Générer sur toute la plateforme. En fait, il y a 1080 hydrazine par heure, tout portefeuille confondu sur la plateforme qui sont produits. Cette hydrazine donne une allocation garantie sur l'IDO. Et en fonction du nombre d'hydrazine qu'on met, on a une allocation qui est plus ou moins importante, sachant que dans tous les cas, on est plafonné à 1% du portefeuille. Donc, plus on veut obtenir une allocation importante, plus il faut mettre d'hydrazine, évidemment. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de les mettre sur tous les projets. On peut être tout à fait sélectif et vraiment aller sur le projet qu'on estime le plus porteur. So with the success of Starlaunch, we could see a secondary market of Hydrazine. Is it something who bothers you? Yes, so we did see a secondary market pop up on Radium and Serum. And I wouldn't say it bothers us. After all, freedom and flexibility are two of the big draws to crypto. We do see, however, issues with volatility caused by low liquidity. And we aim to address that with our own planned Hydrazine marketplace. Now, normally a team could just provide sufficient liquidity themselves, but Hydrazine is unique in terms of supply and how it's distributed. That is, we don't actually have Hydrazine of our own. We distribute it straight to everyone staking. So if we were to just suddenly mint a bunch and use that to provide liquidity, we could mess up the allocations, the value for our users. Donc en fait, il y a un marché du secondaire sur l'hydrazine et la question était de comprendre si c'est quelque chose qui les embête. Donc en fait, ça les dérange pas en tant que tel. C'est un peu la liberté de chacun d'utiliser cette hydrazine, sachant qu'il y a un marché secondaire sur Radium et sur Serum. Ce qui les dérange un petit peu plus, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité sur le prix de cette hydrazine et c'est pourquoi ils ont décidé de mettre en place un marketplace qui va venir prochainement, qui va permettre d'organiser un petit peu ce marché. Donc c'est surtout une question de liquidité et mettre en face des acquéreurs et des vendeurs dans de bonnes conditions. Okay, so now let's talk about the dashboard Cadet. So if I take a look on the dashboard, I can see a lot of unavailable features. Could you tell us a bit more, like mission or top officer? Yes, so this part of the dashboard will be the user's hub for participating in the Star Syndicate Guild. Missions will encourage users to play games in our metaverse and reward them with in-game assets from those games, tokens, NFTs. The top officers section will be a leaderboard tracking users' progress by cadet ID. Most of these details are tentative and subject to change, but we wanted to tease some of the interactivity we're building into the platform, get people engaged with our games.
En fait, sur le cadet, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a un dashboard avec un certain nombre de fonctions qui ne sont pas encore disponibles. Donc la question était de comprendre qu'est-ce qu'il allait en être. Donc en fait, ce dashboard, ça va être le hub pour les utilisateurs. Sur Starlaunch, et avec encore une fois le fait qu'il va y avoir une utilisation autour des jeux, autour du métaverse, et donc ça va permettre de récompenser et d'organiser un système de guildes dans ces jeux. Il y aura probablement des tokens, des NFT qui vont être organisés de cette manière, avec un ranking. Donc il y a des officiers supérieurs dans le classement, il y a des utilisateurs de premier niveau. Tous les détails sont pour le moment provisoires, vont être probablement ajustés dans le temps, mais en tout cas il y aura l'interactivité qui sera sur cette plateforme. So in the website I can see Starlaunch is the first initial IDEO launchpad. Could you explain us what it means, please? So we're not the first launchpad on Solana, but as far as I know, we are the first to ensure our IDEO participants against rug pulls, vaporware, financial exploits when caused by team negligence. So we don't take a fee for acceleration and incubation services. Instead, we ask projects to contribute to the insurance treasury for this purpose. So anyone who buys in our whitelist sales in the above cases would be insured up to 100% of their purchase amount. Sur le site, en fait, il est indiqué comme quoi Starlaunch est une plateforme assurée. C'est la première plateforme assurée de Solana. Donc la question était de comprendre qu'est-ce qu'il en est. Donc effectivement, c'est pas le premier launchpad sur Solana, mais c'est bel et bien le premier launchpad qui assure les participants contre des risques de rug, des risques de manquements financiers, des actions malveillantes qui pourraient être faites notamment par l'équipe. Donc en fait, ce qu'explique Colton, c'est que sur les IDO, Starlaunch ne prend pas de frais de lancement sur les projets, mais par contre demande à ces mêmes projets de contribuer à cette assurance. Donc en fait, c'est vraiment les projets qui mettent la main au portefeuille pour assurer les utilisateurs de la plateforme, sachant que c'est bien une assurance à hauteur de 100%. Sur l'argent placé via l'IDO. Okay, let's come back to the first IDO. How the team manage Monkey Ball's decision to not release the token on schedule? So we're continuing to support Monkey Ball in any way we can. We're excited to see the Monkey Ball token launch, but we understand the pressures the team faced with this decision. It surely wasn't an easy choice. They had to balance wanting to launch against these looming market woes and advice to delay from experts like Rand Neuner, who are pretty well respected. And then after seeing how similar projects fared who went ahead with launches at the same time, I think I understand a bit better now why they made the choice and why they felt that pressure. Donc, pour revenir sur la première IDO de Starlaunch, qui était Monkey Ball, vous avez dû voir qu'en fait, le lancement du token a été décalé. Et donc, la question de Manu, c'était de comprendre pourquoi ce décalage et quelle est comment Starlaunch l'a vécu. Donc, en fait, ce qu'explique Colton, c'est que déjà, ils soutiennent totalement cette décision. C'était une décision pas évidente parce que l'équipe voulait vraiment lancer le token, était particulièrement impatiente, mais dans le même temps, les conditions de marché, et puis ils ont eu des conseils d'experts qui leur ont demandé d'attendre un petit peu. Et quand on voit certains projets qui se sont lancés entre-temps et qui ont été assez compliqués, ils se disent que finalement, c'était probablement une bonne décision. Ok, so no more questions for me, it's over. Unless you want to add something, Colton, otherwise we'll move on to user question, if you want. Besides that, I'm really excited to get our Git book out for helping people
pretty much figure out how to use our platform. That's it for me. I'm excited to see what the users have for us. Ah, donc on peut démarrer le Q&A pour tous ceux qui veulent intervenir. Maybe I've got a first question, Colton, if you don't mind. It's in line with what Manu mentioned in a previous question. On the website, you say that you have a rigorous set of criteria to validate each project. And I was wondering, could you explain us a little bit about the type of criteria you have? And looking through to Kenomics, I was wondering how to fund it, but then I understood that it's really the project that will participate to the funding in case of financial loss. So it's rather on the criteria you might use for selecting a project rather than the another. Donc en fait, ma question, c'était si on va sur le site, Starlaunch met en avant qu'ils ont des critères très stricts, hein, sur la validation de chaque projet, et donc comprendre quels critères ils utilisent. Right, right. So there's a few things we look out for when we're vetting projects. I guess we pretty much start with the product, what they want to build. You know, when we're looking at games, like, is that a game that I would want to play? Does it look like they have a product, or are we just seeing, you know, videos of mockups? Are their development timelines reasonable? Like, are they expecting to put out a AAA game within 3 months, do they have something we see as a little more viable? We look at their tokenomics, particularly how they structure their raises. You know, are they putting too much into the private money? Is it too steep of a discount between private and public? Things like that. It's you know, everyone has their own kind of ideas about what they want to do, and we always respect that. But we have a lot of experience seeing what can go right and what can go wrong through the mid and long term in terms of how you decide to set up your fundraising. I think those are the big ones. Ok, thank you, Colton. Donc en fait, ils ont différents critères pour valider ces projets. Déjà, c'est vraiment comment le projet est construit, ça c'est important. Donc typiquement, si on parle d'un jeu, est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu? Est-ce que le produit semble structuré ou c'est juste des vidéos de teaser uniquement? Ensuite, c'est est-ce que le développement est en ligne avec et cohérent avec le projet? Si un projet annonce un triple A gaming, donc vraiment un jeu ultra qualité en 3 mois, on a vite compris que c'est plus du marketing qu'autre chose. Donc ils regardent vraiment le côté viable du projet sur le temps. Ils sont attentifs également sur la tokenomics. Ils regardent comment le projet lève de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas trop de private, par exemple? Est-ce qu'il y a un discount entre le private et le public qui soit pas trop important? Plus globalement, le développement du projet sur le moyen et long terme. Ok, c'est bon pour vos questions. Écoutez, je vais vous demander de préparer vos questions en commentaire. On voit que ça commence à arriver. Allez-y, envoyez vos questions pour Colton. On les affichera à l'écran. Emeric traduira. Si vous voulez la poser en français, il y a aucun souci. Si vous l'avez en anglais, c'est encore mieux. Mais sinon, on fera la traduction pour Colton. Il n'y a pas de problème. Juste poser ma question en attendant que toutes les questions s'accumulent dans les commentaires. Colton. The second question is for me. First thing I wanted to say is that I really, really enjoy the thing that everyone can have an allocation for the IDO. I'm a kind of retail, and so this is very, very nice to have an allocation. The first thing is very good for the launchpad. My question will be about Star Syndicate. How deep will be that metaverse for you? Maybe can we dream about spatial ship NFTs to accomplish mission, to win some stars, some hydrazine? Maybe
using some tokens, some stars, or it was in to buy some parts for that NFT. Donc, je demande à Colton, en fait, à quel point ils veulent développer leur métaverse sur Star Launch. Est-ce qu'on peut imaginer des NFT, des genres de vaisseaux pour accomplir des missions, etc., etc. Voilà, jusqu'à quel point ils veulent creuser cette métaverse. Colton, it's for you now. Okay, so yeah, so a lot of those things you mentioned, that's exactly what we're going to have. It'll be hard to actually give hydrazine as rewards because of how the supply works. But we definitely do see users being able to trade hydrazine between each other, but also burn hydrazine to get those in-game assets from the games in our metaverse that we're partnered with. Over time, we'll see that marketplace end up connecting those games with one another too. Kind of bringing some more liquidity to those in-game assets and in a way that's fun for the users to use. There's a lot more we want to add to that, and there's a lot we have planned that I unfortunately can't say quite yet, but we hope to be able to announce those pretty soon. But the first things we're going to be able to do is set up the marketplace for hydrazine and get those and get those missions going. That'll be the kind of the dipping our toes into that metaverse, but we have a lot more planned for it. And if I miss any part of your questions, please let me know. Donc en fait, c'est l'hydrazine est une denrée rare qui s'obtient en tant que rewards. Donc aujourd'hui, les utilisateurs peuvent trader, peuvent acheter, vendre et brûler de l'hydrazine, ce qui est notamment dans des projets métaverse dont Starlaunch est partenaire. Ensuite, on va avoir un marketplace qui va permettre de connecter les différents jeux entre eux pour les utilisateurs. Et enfin d'autres projets qui sont dans les tuyaux mais pour lesquels Colton n'a pas encore le droit d'en dire plus. Donc dans un premier temps, en tant qu'utilisateur de la plateforme, ce qui va être vraiment assez rapidement mis en place, ça va être cette marketplace de l'hydrazine où on pourra acheter et vendre facilement de l'hydrazine avec donc ces différents projets dans les tuyaux. Ok, bon, écoute, on a hâte de voir la suite. Bon, on va se contenter du marketplace dans un premier temps. Il y a des quelques missions qui vont sortir, ce sera déjà sympa. Alors, on est parti, première question. Patrick Age. Donc, je ne sais pas si Emery, tu peux un petit peu, le but c'est de maintenir le prix de l'hydrazine, j'imagine. Okay. Oui, alors, je vois un de mes second question. Donc, il y a probablement une première question que je vois pas à l'écran. So Colton, what is the mechanism to maintain hydrazine going forward? The plan to maintain hydrazine. And which part of? I'm sorry. What aspect of hydrazine do you mean when you say maintaining it? Patrick, the price. Yes. Oh, the price. So honestly, as a true utility token. We're not too worried about the price of it because our first and foremost, like what we want to see with it is that people are able to gain access to it by staking stars. And so it's generated and given to them for free. And for them to be able to trade with each other on a marketplace is good, but it comes secondary to that. But what we're going to see with the hydrazine marketplace is probably something similar to the auction houses you've seen in games like World of Warcraft, where instead of having like a market maker, you would allow users to post bundles and make offers for hydrazine. So say, you know, put up 100 of their hydrazine for a price that they would feel good about. And over time, you'll sort of see it stabilize from that organically. Donc en fait au niveau du token, c'est vraiment un token utilitaire, donc pour eux le prix ne les inquiète pas, dans la mesure où il y a une vraie utilité sur la plateforme. Les gens vont pouvoir, en plus on génère automatiquement de l'hydrazine avec des stars, donc c'est quelque chose qui est généré gratuitement. Il y a cette possibilité de le traiter, de le vendre sur le marché secondaire.
Mais avant tout, ce qui leur importe, c'est plutôt ce marketplace qui va être similaire à des enchères, similaire à ce qu'on a par exemple sur des ventes de NFT où on peut mettre par exemple 100 hydrazines et puis on décide du prix de vente et à voir si évidemment il y a des acheteurs en face. Mais en tout cas, c'est l'utilité est là, donc ils ne sont pas inquiets sur le prix. Ok, autre question. Colton, just to finish on Hydrazine Marketplace, will it be something purely on the community driven, or will Star Launch be involved as well, putting some bundle offer or this kind of thing? Donc en fait, ma question, c'est pour terminer avec toujours sur ce thème de l'hydrazine, c'est comprendre si ça sera uniquement les utilisateurs qui vont avoir accès à ce marketplace ou si Star Launch va s'immiscer en proposant des paquets. Bonne question. Right, so... sorry, I'm losing my train of thought here. Yeah, so we're probably not going to be able to offer our own bundles of hydrazine. Again, because you know, if we say we took a huge amount of team tokens and we staked them to generate hydrazine for ourselves to then give out in those bundles, I think that might kind of mess up the value of it for people who maybe are just staking and they don't plan to use that part of the marketplace. So we want to do it in a way that's completely that's as fair as possible to all the users. That said, you'll probably see games offering bundles of their own assets in exchange for users burning hydrazine. But largely, that marketplace is going to be user-driven. Ok, donc en fait, c'est vraiment la communauté qui va avoir accès à ce marketplace. Le Star Launch ne va pas venir avec une offre concurrente. Donc, ils ne veulent pas mixer et créer une valeur qui serait difficile à comprendre. Donc, ils veulent que ce soit le plus juste possible. Par contre, il se peut qu'il y ait des jeux qui vont se lancer sur Star Launch et qui vont offrir leur propre package d'objets en échange d'un certain nombre d'hydrazine. Donc, il y aura probablement une utilisation en ce sens. Ok, intéressant. Je raffiche la question du Catalan. Ok, so Colton, have you a plan or the use case for Star Launch when the market is, for example, in a bear market, so less project and less IDO? Yeah, you know, I think that's probably going to be where you see the metaverse and guild aspect of Star Launch really start to shine. And at the risk of repeating a truism of sorts, I see a lot of people kind of guessing, at least, that gaming is and metaverse is going to be the strongest thing throughout the bear markets. That said, I don't think we're going to stop offering IDOs in the bear market. I think some of the best projects were built in the bear market. Donc en fait leur but, c'est vraiment d'être focus sur le métaverse et le donc pardon le, la question en fait c'était de savoir s'il y allait avoir d'autres utilisations de Star Launch dans des marchés difficiles avec moins de projets et moins d'IDO. Donc en fait le focus sur le métaverse, le gaming, sur les guildes, pour eux c'est quelque chose qui est censé traverser les cycles, qui doit être fort dans un marché compliqué, mais de toute manière, même dans un marché baissier, ils ne voient pas le fait que du jour au lendemain il n'y ait plus d'IDO. Les meilleurs projets se construisent souvent dans la difficulté, donc il y aura toujours des IDO à offrir. Ok, on enchaîne. Ok, so other question, Colton. So do you, for Hydrazine, do you expect to put in place a multiplicator system depending of the staking length of stars? So meaning that the longer you stake your stars, the more you might generate Hydrazine. Is that something in the plan?
No, that's not in our plans right now, but that's interesting. So I'm gonna write it down and talk to the team about it. It's not something I see is hugely likely, because we'll want to, again, just for fairness sake, kind of keep that open to everybody. Although, you know, we do have a lot of, I guess I'd say we hope to bring a lot to the table to help, you know, to make users feel appreciated for being here the whole time. I'm not sure what that'll look like, and everything's tentative, but yeah, that's a really interesting idea. Thanks for sharing that. Get that typed down as I go here so I don't forget. Donc, très bonne question, Florian. Donc, c'est pas dans les plans, mais du coup, il va noter cette suggestion et en parler à l'équipe. Aujourd'hui, ils veulent être le plus juste possible, le plus équitable pour tout le monde, et que ce soit le plus lisible. Donc, pour le moment, c'est pas dans les plans, mais en tout cas, c'est une proposition qui a du sens. Donc, il la note au chaud. Ouais, bonne question, super. Allez, on enchaîne Scarface qui a des problèmes pour la partie first come first serve. Okay, so interesting question, Colton. When the IDO comes into first come first serve, we might have the issue of having bots coming in and taking a larger allocation. So what do you think about that? Do you see the bots issue, and what will be the solution? Great question. Okay, so and just for context, the first come first serve part of the IDO allocations come after the whitelist sale. So if there's anybody who, say, burned hydrazine, got an allocation, and then didn't purchase that allocation, that would be remaining tokens. So after the whitelist sale ends, we open up that first come first serve sale to let people grab those remaining tokens. And the way we do that is that sale is open to anybody who burned hydrazine during the burn event. And it's done on the same part of the dashboard where you do the burning and the purchase of your allocations. So because of that, we don't have to worry about bots, because the only people who can participate are KYC approved wallets. And each of those is capped, so we make sure that no one person can just snatch up the whole part of that. Ok, donc très bonne question également. En fait, la partie premier arrivé, premier servi vient toujours après le whitelist. Donc le whitelist, pour rappel, c'est le fait de brûler de l'hydrazine. Ça donne une allocation garantie. Donc là, il n'y a pas de question de bot ou quoi que ce soit. Ça n'est qu'après cette partie que c'est disponible publiquement. Maintenant, la façon dont ça se passe, hein, c'est qu'il faut aller sur le dashboard. Ça n'est que les personnes qui ont passé le KYC qui peuvent participer à cette partie de l'IDO. Et en plus, c'est capé par wallet. On a des montants qui sont capés. Donc tout ça est censé limiter fortement l'implication des bots. Et à la question de Leo, qui veut un vaisseau. Okay, so I want a spaceship. In the future, will I be able to get one in the Star Launch Metaverse without selling my kidney? Yeah, I mean, you know, as we expand this Star Syndicate thing, you're gonna. You know, as soon as you get your cadet ID, you have a space on SS Star Launch, so you're going to have your own crew quarters there pretty much. And gosh, it's so funny. So much of what you guys say, I wish I could say more, but I'm going to get in trouble with the big dogs if I say too much, because nothing's set in stone. But there's a lot we want to do with that. When you say that, it makes me... Ooh, c'est bon ça. Question sensible. il a le droit de rien dire pour le moment, donc bon, on peut imaginer qu'il y a pas mal de plans du côté Star Launch, ce qui est intéressant, donc à suivre. Super, en tout cas c'est pas mal du tout ça, ces réponses sans réponse, mais qui en disent assez long. Allez, Drogba. Ok,
So you don't take fees and ask IDEO projects to manage this insurance. Don't you think it will make them decide to release the token when they want, like MBS? So I guess I'd say that the insurance thing is separate from the issue of when projects decide to list. They don't exactly manage our insurance, but they contribute to the insurance fund that we manage. And in terms of listing, it's always up to the project. That part, the token generation event and the listing, is largely dictated by them. Although we, depending on the level of incubation versus just acceleration, we try to be a part of those conversations and give them our best advice. But at the end of the day, we have to respect their decision in terms of how they decide to launch. Now, if they ended up not launching, then that would be a separate issue, and we would handle that. Donc en fait, la partie assurance est complètement détachée de la partie lancement, de la partie IDEO. Donc ce qui demande au projet, c'est de contribuer à ce fonds d'assurance. Mais par contre, le listing est vraiment propre à chaque projet. Ils ne leur mettent pas la pression, ils les conseillent entre cette phase d'incubation et cette phase d'accélération. Mais ils respectent totalement la décision du projet, y compris le fait de ne pas se lancer dans l'immédiat. Ok, alors après, on a pas mal de questions sur la métaverse à Emeric. Donc, je ne sais pas si on peut trop. Voilà, il y en a beaucoup qui reviennent là-dessus, ils veulent des infos. Donc, Colton a dit qu'il ne pouvait pas trop en donner non plus. Donc, ce n'est pas évident de répondre à ces questions. On peut mettre celle-là, peut-être, mais. Okay, so the question, Colton, do you know which utility Idrazine has in real life? So we are talking really about spaceships and maybe more questions for Elon Musk. But anyway, is it used to dilute gas in water too? Is there a link with the burn or dilution of Idrazine in the STARS token? So we are talking about metaphysics and so on, but interesting. Yeah, I like that. Okay, so Florian, I would say that the inspiration for Hydrazine on our launch pad is probably comes from its history as being used in various rocket fuels. So we've been enjoying talking about it in terms of fuel for these launches. Less so, I see that it's used in foam blowing agents, and I think maybe you were touching on this application to prepare gas precursors using airbags, which is interesting. But yeah, I think you'll find it. The inspiration there is mostly from its use as a rocket fuel. Et donc l'inspiration vient essentiellement du carburant des fusées, le fait que c'est un launchpad qui lance des projets qui sont censés gravir pas mal de sommets. Donc c'est ça qui les a inspirés. Donc bon, toutes vos questions sur la métaverse, c'est difficile. Hein, il ne peut pas donner encore trop de choses comme info. On a Léo qui a une autre question sur le nombre de box. Ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense. Oui, bonne question. So, Colton, is there an infinite number of lot boxes that we can create? Yes, so those vault boxes in the dashboard where you stake your stars, you can make as many of those as you like. Which is just kind of a dream. It's not something we could do on Ethereum with those gas fees, but this way you have a lot more flexibility in terms of how you stake your stars. And our lead developer himself recommends making a bunch. So, say if you suddenly need that liquidity and you need to unstake those stars and take and those stars are locked for 90 days, then you would have to take the penalty on unlocking those. If you have it split out between a lot of smaller boxes, that doesn't hurt so much. You don't have to take the penalty on unstaking your entire amount, say if you only need a little bit of it. But that's just one example. I've seen the users game it out in a lot of different ways, which is always really fun to see.
Donc au niveau des coffres, on peut donc stacker des stars hein, sur la plateforme, il y a pas de limite, donc ça c'est super. Et comme il indique, ça serait difficilement faisable sur Ethereum avec les frais qu'on connaît. Et d'ailleurs, il recommande même de créer différents box pour bah, le cas échéant, si quelqu'un a besoin de liquidité, vous avez probablement vu, il y a des pénalités en fait sur des sorties anticipées. Donc, bah, si vous avez coupé votre allocation en plusieurs morceaux et que vous souhaitez en récupérer qu'une partie, vous n'aurez la pénalité que cette petite partie. Donc, au niveau du coût, ça sera infime. Allez, on arrive à 45 minutes, on va prendre juste quelques petites questions. N'hésitez pas, nos experts aussi, à poser votre question à l'oral à Colton. On a Fracos qui a une question intéressante là. Et après, je vous laisse la parole. So you already have two ideas around NFT metaverse. Will you plan to make interaction with them in the future or specialize Launchpad in gaming metaverse? Donc la question, c'est qu'en fait, ils ont déjà deux projets qui ont été lancés sur les NFT et le metaverse. Est-ce qu'on aura des interactions à terme entre les projets ou est-ce qu'on aura un Launchpad spécialisé dans le gaming et le metaverse uniquement? Cool. Yeah, another good question. So yeah, I think, and again, I can't promise anything. Nothing's set in stone this early. There's always vagaries that pop up in development, but we would like to link all of these games together in our metaverse. We want, you know, players of one game to feel like they have access to that other game. Now, that's not necessarily directly connecting these games, but I think through that, the first way we'll see this is the first implementation of this will probably be through the marketplace. Once games start listing their assets on that marketplace and people are able to trade, say, you know, a hydrazine for an asset, I think if you game it out, eventually you'd imagine that people will be able to trade those in-game assets for one another. And that might be the first way you see that. Donc en fait, pour le moment, le développement n'est pas encore figé, donc il peut rien promettre. Je pense aussi qu'il y a des questions où il n'a pas le droit de trop en dire. Mais en tout cas, leur projet, effectivement, est de lier tous ces différents projets dans le métaverse. Ça ne sera pas forcément une connexion directe d'un jeu à un autre, mais il y aura le sentiment qu'en ayant accès à un jeu, on puisse avoir une interaction et l'accès à un autre jeu. La mise en place directe aujourd'hui va être via ce marketplace où il sera possible au travers de l'Hydrazin d'acheter des objets d'un jeu en échange d'un autre jeu. Et ça, ce qui va permettre déjà de connecter dans un premier temps ces différents projets. Ok, vous avez une question, nos chers experts ici présents, posée à Colton. Ouais, des Swiffer. J'ai une petite question. So, Colton, I have a question for you. In the case where a project that you launch is actually not doing well or have a big security issue in the smart contract or they simply rug, what are we doing with our hydrazine that we just burned? Do you plan refunding us or is it just lost forever? Donc j'ai posé la question à Colton. Just sorry a moment, I just translate my question. Sure. Donc j'ai dit, dans le cas où un projet qui se lance sur Starlaunch venait à rug ou tout simplement à des failles majeures dans le smart contract qui aurait du coup tout simplement provoqué un effondrement par exemple de la valeur du token, est-ce que l'hydrazine qu'on aurait burn du coup pour obtenir notre allocation par rapport à ce projet serait remboursée ou bien perdue à tout jamais? So you can go and call. Okay, so yes, you mentioned rug pulls and security issues in case like they had poor auditing. In those cases, we would be refunding people for their purchase amount. So when you register for an IDO, you do that by burning the hydrazine. And you then purchase your allocation with USDC. So we,
in the case of a refund, we would be refunding people for their USDC amounts. Not so much the hydrazine, if only for practical reasons, because as I've said, we don't have hydrazine. We don't control that supply, and we couldn't stick our hands in there and start manipulating it without kind of screwing up the value of it for people. So that's one reason I like to emphasize that it's a utility token first that's generated and dropped into your wallet for staking stars. Okay, thank you for your answer. Maybe sure. I can translate that one. C'est que je peux traduire celle-ci. Ouais, vas-y. En gros, il a dit que donc dans le cas d'un tel événement, donc d'un rug pull ou des problèmes de sécurité sur une plateforme, alors effectivement, il rembourserait que l'allocation qui aurait été payée en USDC, mais par contre, il ne rembourserait pas du coup les tokens Hydrazine qui auraient été burn, parce qu'il considère ça avant tout comme un token utilitaire et que, en gros, pour rembourser un burn comme celui-ci, ça les obligerait, entre guillemets, à mettre. À manipuler peut-être un peu trop le marché de l'hydrazine. Donc, cette hydrazine, en gros, sera perdue à tout jamais. Voilà. Allez, dernière question. The last one for tonight, Colton. How do you see Starlunch in 1 or 2 years? I love that. Thank you. So, I see us with a steady flow of IDOs coming through of projects, and just like I think in 1 to 2 years I see us deep into the gamification and the guildification of our platform. So that launch pad aspect is never going to go away. We're always going to be there to help projects fill in those gaps in development and have what they need to flourish, but that other aspect, the guild aspect, is just going to keep growing. So we should have, I'm hoping to have like a good stable of really enjoyable games on our platform and in our metaverse. Donc en fait, c'est comment Starlunch se voit dans un an ou deux. Il continue de voir qu'en fait, il y aura toujours des projets, des IDO qui vont se lancer. Mais clairement, d'ici un an ou deux, c'est la partie gaming, la partie guild qui va être vraiment structurée autour de la plateforme, avec toujours des projets qui se lanceront et qui accompagneront pour dans le développement pour s'ajouter à l'offre existante. Et ça sera vraiment le fait que cette offre va permettre d'avoir un certain nombre de jeux tout à fait accessibles, jouables et qui vont être pour le grand public. And if I may, I think the most exciting part of that is honestly the unknown aspect, because we're going to see, I think we're going to see a lot, we're going to see a lot of new things kind of pop up in the terms of the way that these games can work with these sort of player-owned economies driven by these NFTs and tokens. It's great not to be able to guess what that could look like, because it's just going to get more interesting. Exactly. Donc en fait, l'autre aspect qui l'explique, c'est que c'est bien parfois de pas avoir une vision tout à fait exacte de ce que sera ces projets, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est vraiment ça se développe. On va découvrir plein de nouvelles choses dans cet écosystème autour du jeu qui passe par les NFT, qui passe par les tokens. Donc l'avenir nous réserve pas mal de beaux développements. Bon, mais en tout cas, on va finir cet amas. So, thank you very much, Colton, for everything for tonight. Maybe before you left, if you can choose a free winner for the stores. Three lucky men or girls, three lucky for Christmas. Some stars for you for the three best question. Yes, thank you guys so much for having me. And again, thank you to this Solana French community for having me. And it's nice to see a couple users from our main chat pop up there. Good to see you guys. And
Yeah, I mean, I'd love to pick those winners with you guys too, to have your input there. But yeah, thanks again for having me. Émeric, si tu peux, j'ai plein de... Bah, il nous remercie pour ça et qu'en fait il décidera des questions avec nous. Maintenant, peut-être qu'on peut lui demander de le faire en live si okay. Les questions s'affichent de son côté. On reviendra peut-être sur les questions plus tard. On le choisira peut-être avec lui. Ouais. S'il ne veut pas faire ça de suite, il n'y a aucun problème. On peut faire ça aussi plus tard. En tout cas, écoute, si tu peux vraiment le remercier. Vraiment, bienvenue. C'est super d'avoir un si gros projet ici, en tout cas pour tout le monde. On a eu pas mal d'explications. Ça s'annonce assez intéressant pour la suite. Donc voilà, Émeric, je te laisse vraiment le remercier chaleureusement. Tu le feras beaucoup mieux que moi. au nom de tout le monde, donc vas-y. Ouais, bien sûr. Thank you very much, Colton. You answer were extremely interested, and I hope you enjoy as much as we enjoy on our side to you're the new. So we will definitely look forward for Starlaunch development. And as you can see, Metaverse, you have a lot of questions. So we will be happy to discover when you will be allowed to talk more. Great. Yeah. It was a pleasure, guys. Thanks again. I'll talk to you soon. Thank you very much, Colton. Bye. Thank you. Bye, Colton. Thank you. Allez, on zappe Septama avec Colton qui nous a fait le plaisir de venir. Vous inquiétez pas, pour les trois gagnants, on discutera avec Colton et on fera gagner les stars aux trois questions. De toute façon, tout est enregistré, tout est en live, donc on pourra revenir là-dessus et faire gagner les trois meilleures questions avec Colton. Il n'y aura pas de souci là-dessus, comme d'habitude. On essaye de vous régaler un maximum. On enchaîne seconde partie de soirée. On est pas mal niveau timing. Peut-être avant de commencer ce petit vocal de Noël et de commencer ma première rubrique, on pourrait en profiter de Coban, qui pourrait nous faire un petit point sur le Coban, notre petit point quotidien, vous le savez, sur ce projet qui a été lancé un petit peu au sein de cette communauté. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu Coban sur les vocaux. Donc, Coban, est-ce que tu es là déjà? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux nous faire un petit point Coban ou est-ce qu'on le fait plus tard? Oui, je suis là, si tu m'entends. Allez, super, on t'entend. Donc, écoute, à toi de jouer, de nous faire un petit point sur l'avancée du Coban et nous dire un petit peu plus sur le futur. Voilà, c'est donc oui, un petit point. Oui, bon, écoute, on avance très bien, même très vite. Il y a eu pas mal de nouveautés. La grosse nouveauté qu'on a mis en place, c'est un système de tiers pour les membres, pour favoriser les membres les plus actifs ainsi que les membres qui ont le plus de Coban. Donc, les airdrops continueront à être accessible à ceux qui ont des plus petits tiers, mais on essaie d'apporter des services supplémentaires pour les membres qui ont le plus de Coban ainsi que ceux qui participent le plus à la communauté, notamment sur Discord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, enfin qu'on va mettre en place plutôt à partir de janvier, avec un système de hold aussi où on va demander aux membres de garder un minimum de 30 jours les Coban pour éviter justement les fluctuations du prix du Coban en fonction des airdrops, c'est-à-dire acheter la veille et revendre le lendemain du snapshot. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et sinon, on est en train de faire pas mal de partenariats, donc sur du long terme, voire du très long terme. Donc ça, forcément, tout le monde ne le voit pas, ça se passe en coulisses, mais on est en train de créer des partenariats qui sont plutôt pas mal du tout, et nos membres pourront en bénéficier par la suite. Sinon, on a une nouvelle recrue qui va bientôt commencer et qui va s'occuper de trouver de plus en plus d'airdrops pour nos membres, donc aussi je pense qu'on va pouvoir accélérer le rythme à ce niveau-là. Actuellement, on a un airdrop en cours plus une compétition de course de voiture, et ça c'est quelque chose qu'on va essayer également de mettre de plus en plus en avant, c'est-à-dire faire de partenariats avec des jeux vidéo sur Solana ou des métaverses. Donc l'idée, ce serait vraiment de pouvoir proposer à notre communauté et à nos membres de pouvoir tester les jeux en bêta et de pouvoir également pouvoir participer en ayant accès aux NFT par exemple. Voilà, j'oublie certainement des choses, sinon, voilà. Bon, le prix du token en lui-même, bon, il a baissé, mais je pense que
pour tout le marché actuellement a baissé, donc ça m'inquiète pas vraiment. Et voilà, sur du long terme, on a vraiment pas mal de projets, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète sur du long terme. Alors, on a un petit commentaire de Drogba, je te l'ai affiché quand même. Voilà, c'était ton petit joke du soir de Drogba, he's alive. Je sais pas si tu le vois, c'est tout le monde est content de te voir. Non, non, mais écoute, voilà, si tu veux tout savoir, j'ai été absent un moment, j'ai eu des choses familiales à régler. Et voilà, j'espère être de plus en plus présent à partir de maintenant. Mais non, je suis toujours là et il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Mais voilà, notamment, j'essaie de mettre en relation les projets partenaires les uns avec les autres. J'essaie d'aider certains projets qui essaient de se lancer sur Solana également en les aiguillant vers les bonnes personnes et les bons conseillers pour pouvoir trouver et des financements et pouvoir se lancer. Et ça aussi, c'est dans l'idée pour, dans la suite, de créer également des partenariats avec le Coven pour pouvoir faire profiter également la communauté par la suite. Bon, en tout cas, ça avance côté Coven, ça se structure, donc, comme tu as dit. Voilà, ça travaille dans l'ombre, même si des fois, c'est vrai que quand on investit dans un projet, on imagine que les gars derrière sont tranquillement à l'apéro ou aux Bahamas, mais bon, évidemment, ça travaille en coulisses. Donc, écoute, c'est des bonnes choses, c'est bien. On attend de voir la suite. Donc, écoute, merci pour ce petit point Coban. Alors, ce soir, dans cette seconde partie, il va y avoir un paquet de dollars qui vont tomber. Avant Noël, c'est les cadeaux. Il va y avoir des questions rapidité. Donc, on va peut-être pouvoir commencer par une question rapidité, la première pour s'échauffer. Il y en a 10 au total, questions rapidité. Il y a une dizaine, hein, il me semble. Ouais, 10 questions, 25 dollars à la gagne à chaque fois. Et $25. Le plus rapide qui répond dans le chat qui gagne, et avec la bonne réponse, évidemment. Donc, on lance la première. Combien de sols sont stackés chez les validateurs actuellement? Alors, je l'écris dans le chat pour ceux qui n'ont pas tout compris. Combien de sols sont stackés chez les validateurs actuellement? Ok, donc le premier commentaire qui tombe ici dans la régie avec le bon nombre de sols, il repart avec $25. Sinon, si vous n'avez pas l'info, on prendra celui qui s'en rapproche le plus. Voilà. Allez, à vous de jouer. C'est parti. Alors, on a 200 000. C'est pas beaucoup, 200 000. 200 000. 15 millions. 1 million. Je rappelle quand même, les gars, que Solana, c'est top 5 market cap quand même, les gars, Solana. Donc, voilà. Scarface, 57 millions, Cédric, 30 millions. 300 000, non, mais on n'est pas une blockchain de seconde zone, là, les gars. En plus, tu as déjà répondu, Florian, une seule réponse. Ah oui, il y a une seule réponse. Ouais. T'as vu. Une seule réponse, les gars. Allez, qui c'est qui va s'en approcher le plus là? On a le temps. Ah oui, one shot est le plus rapide, donc il ne faut pas se louper. Ça ne sert à rien d'envoyer 10 commentaires, c'est foutu pour vous, les gars. Le gagnant, c'est Scarface qui s'en rapproche le plus, malgré qu'il en soit très loin. La réponse, c'est 394 millions. Le sol. Le sol stacké chez les validateurs. Voilà. Et ça fait 395 millions. Stacké, ça c'est rien que le stacker à un validateur. Hein. Franchement. En fait, c'est deux tiers de la supply, les gars, qui est chez les validateurs. C'est assez incroyable. Quand on y réfléchit. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont confiants sur le projet. Hein, parce que je rappelle quand même stacker. Bon, je crois que ça dure à peu près une époque. C'est quoi? C'est 3-4 jours, je crois. Donc voilà. C'est plutôt bon signe au final. À mon avis, on peut remercier les projets de type Marinade, par exemple, parce que c'est vrai que tout le monde peut échanger ses sols contre des M-sols. Donc, en fait, les sols sont stackés et les M-sols ont la même utilité que les sols, puisque maintenant, on peut les utiliser pratiquement partout. Et en plus, ils augmentent d'environ 6% par an par rapport au sol. Ouais, c'est une belle initiative. Bon, mes premiers vainqueurs de la soirée, Scarface. Donc, t'inquiète pas, c'est noté. C'est noté, tu me contacteras après le live. Bonne réponse. Allez, j'aimerais bien enchaîner sur ma première rubrique de la soirée.
J'aimerais bien demander à nos chers admins présents ici qui nous racontent des petites histoires crypto, bien sûr. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à réagir et à nous raconter aussi vos histoires. Ma première rubrique, j'aimerais bien demander à mes chers experts de nous dévoiler, de nous raconter leur plus gros loupé de crypto. Donc voilà, j'ai vu passer dans le chat privé la semaine dernière quelqu'un qui avait 52 bitcoins et puis qui a dû les vendre à un prix dérisoire. Donc ça m'a fait penser quand même à il y en a qui font des sacrés gros misses. Évidemment, sur le moment, évidemment, on ne sait pas que c'est un miss. Donc j'aimerais bien que voilà, vous nous racontiez votre plus gros miss en crypto, donc le plus gros loupé. D'accord, les plus gros dollars qui vous ont échappé sur une paper end, sur une fausse manip, je sais pas moi, quelles histoires peuvent. Il peut y avoir, donc je vous écoute, à vous de jouer là, nos experts, puis vous aussi, n'hésitez pas à réagir à un commentaire, à nous raconter votre plus gros loupé s'il y en a eu un en crypto, quelque chose que vous avez loupé. Donc voilà, ce sera assez fun, je pense, d'entendre quelques histoires de vieux dinosaures des crypto-monnaies comme nos experts présents ce soir. Alors qui commence du coup? Ah, mais allez-y, c'est comme vous voulez. Si t'as quelque chose d'espuffeur, vas-y, ça laissera le temps de réfléchir. Bah alors, moi, vu que je suis un petit noob encore, hein, enfin, bon, ça fait quelques mois que je suis en crypto, ça doit faire à peu près 9 mois que je suis dans le marché crypto. Et je pense que pour les plus anciens de chez la communauté, vous savez de quoi je vais parler, à mon avis. Ouais. Donc, moi, je me suis tapé quelque chose d'assez violent. On ne parle pas de profit loupé, là, on parle vraiment de perte sèche. Hein. Donc, à l'époque, c'est pas si longtemps que ça. Au final, ça a remonté à, je pense, 4 mois. Ça devait être en août, je pense. Donc, il y avait un magnifique protocole, en fait, qui s'appelait Luna Yield, en fait, sur Solana, qui avait, du coup, été lancé par un launchpad du nom de Solpad. Je pense que pas mal d'entre gens savent de quel launchpad je parle. Et actuellement, il a la cave. Hein. Le token, il vaut plus rien. Le token de Solpad. Et justement, moi je rebondis aussi là-dessus, c'est de dire qu'au final, avoir des launchpads comme Stars, c'est plutôt sympa, ça évite ce genre de choses que là je vais vous raconter. Donc en gros, le projet Luna Yield a été lancé sur Solpad, donc je pensais que ça donnait un peu de légitimité au projet, je me disais qu'effectivement, s'ils sont lancés, c'est qu'il y a un minimum de recherche qui est fait en amont. J'avais regardé un peu le projet de loin, ça avait l'air correct, ça avait l'air de tenir la route. Donc, j'ai déposé, en fait, au début, j'ai commencé gentiment. Hein. J'ai dû poser à peu près 10% de ma BR en farming. Donc, il y avait de tout. On pouvait farmer du Serum, du Bitcoin, du Solana, du qu'est-ce qu'il y avait aussi? L'Ethereum, enfin bref. Tous les plus gros market cap pouvaient être farmés là-bas. Et je crois que j'avais laissé pendant à peu près une dizaine de jours. J'ai vu que ça se passait plutôt bien. Donc, j'ai continué à rajouter. Je suis arrivé, j'avais, je pense, quasiment 60% de ma BR ou 70% de ma BR, donc mon portefeuille crypto. Et en fait, est arrivé tout simplement le plus gros rug pull en fait, de Solana, littéralement. Et donc, j'ai perdu l'équivalent de 200 000 dollars. Voilà. Juste sur ce coup-là. Donc, ça a fait extrêmement mal au portefeuille. Même moralement, ce n'était pas facile de se relever après un fail pareil. Et c'est ce qui est drôle aussi, c'est que bon, peut-être que GVA pourrait aussi un peu vous en parler, on avait fait un red flag hein, et on avait participé tous les deux, on avait mis en garde en fait le canal Solana le jour même du rug, hein, c'était je crois début d'après-midi. On avait effectivement remarqué qu'il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres. Ensuite, je suis carrément allé directement sur le Telegram de Luna Yield pour avoir un peu de réponse à mes questions. Et en fait, ils ont balancé, on va dire, des réponses assez bateaux au final, mais je m'en suis contenté parce que j'étais simplement aveuglé par la cupidité, hein, tout simplement. Et donc j'ai quand même laissé mes sous là-bas. Mais la leçon qu'on doit retenir dans ce genre d'histoire au final, c'est que lorsque vous avez un doute sur un protocole, même aussi infime soit-il en fait, ne laissez pas vos sous en fait là-bas, tout simplement. Retirez-les, le temps au moins de mettre à plat et d'avoir la tête froide et de pouvoir bien évaluer les risques qui sont encourus, en fait. Donc, voilà. C'est Luna Yield, c'était, je crois, la date exacte, ça devait être, si je ne dis pas de bêtises, le 2 août, je crois. Le 2 août, ouais. Donc, voilà. Bah, les gars, il nous a tellement fait de peine qu'on a été obligé de le prendre en tant qu'admin derrière. Ah ouais, excellent. Et du coup, depuis, j'ai...
Bah, je suis bénévole. J'ai rien gagné derrière. Non, mais bon, voilà. C'était pas simple. Je vous le souhaite vraiment pas, hein, de vous prendre des règles. Je pense que c'est la pire chose qui puisse vous arriver en crypto. Les opportunités manquées, c'est quelque chose. Mais avoir des pertes sèches sur un portefeuille que vous pensez littéralement comme acquis, là, effectivement, c'est pas simple. Et ça vous fait également réfléchir sur la répartition de vos fonds. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas trop parlé non plus, mais je suis quand même quelqu'un d'assez. À la base, je me méfiais beaucoup du marché, en fait. J'avais beaucoup de stables, en fait. Mais j'ai un peu sous-estimé, en fait, la DeFi. Et j'aurais jamais pensé de perdre des sous bêtement comme ça. Mais au final, voilà, c'est les choses que l'on considère le moins qui finissent par arriver, quoi. Voilà. Ok, donc eh ben, c'était une bien belle sale histoire, jolie, bien dans le thème. Sympa. Allez, encore un expert ou deux, tu en affiches, il y a quelques commentaires sympas. Moi j'en ai plein si vous voulez, hein. C'est pas ce qui manque. Ah ben vas-y, hein. C'est pas ce qui manque. Alors j'en ai une avec pas mal de rebondissements. Donc c'était un projet sur la BSC qui s'appelait Uranium. Donc peut-être qu'il y en a qui l'ont connu. Donc c'est un projet que j'ai vu un vendredi soir et qui sortait le dimanche midi. Je suis rentré, on va dire, dans les 20 à 30 premiers avec un gros paquet. J'ai acheté le token autour de $20 et c'était une cash machine à imprimer. C'était un truc de dingue. La BCE à côté, c'est des petits joueurs. Et du coup, c'est monté très, très vite. C'est monté très, très vite. J'avais quasiment au bout d'une semaine, j'avais $200,000. Et ils se sont fait hacker dans la nuit à 3h du matin. Pourtant, je suivais, j'allais faire des compounds tous les heures. Et j'ai dormi de 2h à 7h ou à 8h et ils se sont fait hacker dans la nuit. Donc, dégoûté, le matin, tu te lèves, tu n'as plus rien. Et premier rebondissement, l'équipe annonce qu'ils vont refund tout le monde. Qui vont redonner les tokens sur une version 2. Donc forcément pas au même prix, mais pas très loin finalement. Donc du coup, ça recommence, ça repart, ça réimprime pendant 3-4 jours, et je me gave pas mal. Et là, je me dis, bon, fais pas la même connerie, tu sors à ce moment-là, parce qu'il y avait un timing, un mardi midi ou je sais plus quoi. Donc je suis sorti à ce moment-là, je suis parti sur Solana justement, et 2-3 jours après, deuxième hacking, et là après c'était fini, c'est parti à la cave. Voilà, donc finalement, l'histoire se finit bien. Ouais. Contrairement à Swiffer. Ah, ça va. Allez, un petit quelques. Ah, on a perdu Panch. Allô, allô? Oui. Je crois qu'on a perdu Panch. Bon, sinon, on s'est tous fait rug par Twirl. Ah ouais, bon, ça c'était un truc. Non, ça c'était gentil, mais on avait. Vraiment... gentil. Du coup, le temps qu'ils reviennent, on va se lancer la deuxième question. On va se lancer la deuxième question rapidité. Donc, ça sera, dépêchez-vous, en rappel, $25 à la gagne. Alors, citez-moi deux projets français sur Solana. Personne répond. Solpad, Cropper. Solpad 2, nickel. 2. Cropper, Genopet. Coban, Cropper. Alors, est-ce que Solpad est un. Ouais, des Swiffer, de toute façon, tu joues pas, toi. Est-ce que Genopet est un projet français? Il me semble qu'il y a des Français dedans, non? Ouais, peut-être il y a des Français, mais est-ce que c'est un projet français, des Swiffer? Et... On a perdu tout le monde, en fait. Ben non, moi, je suis là. Ouais, mais les moi autres... aussi, je suis là. Ouais, pareil. Genopet, non, je pense que c'est international, mais peut-être qu'il y a des Français, effectivement. Donc, c'est pas un projet français. On ne peut pas le catégoriser comme ça. Donc, on va dire que c'est encore... Et Solpad, c'est pas un... Non, Solpad, de toute façon, il ne joue pas. Donc, à vérifier pour Genopet, sinon c'est Scarface qui gagne. Encore une fois, ce chacal. Donc, on a Albert Chen, qui est CEO de Genopet, un Benjamin Tsi et un Jay Chang.
Ouais, donc c'est pas du tout français. Bon, ça sera encore Scarface. Les gars, vous allez le laisser encaisser $250 tranquillement comme ça. Vous m'entendez ou pas? Excusez-moi. Ouais, le retour okay. On a un souci, on a Panche qui a fait un AVC, je sais pas ce qui se passe. Donc, c'est de retour, c'est ma. Ah, il est de retour, ça y est. Ma box qui a crash, je m'excuse. Mais donc pourquoi c'est pas Florian qui gagne? Florian est arrivé avant Scarface. Ah oui, ouais, je l'ai pas vu, tiens, effectivement. Ouais, ah, oui, c'est vrai que Coban est un projet français. On a... Bon, oui. Bah, Scarface, désolé pour la fausse joie, ça sera On a une autre histoire là, Coban, Crypto, Emmerich. Dernière, un petit gros loop, un gros loupé là, avant de passer à une autre rubrique. Moi, des loupés, j'en ai eu plein, hein, perso. Le plus gros, allez. J'ai fait pas mal. J'ai fait pas mal d'idéos en private en 2018, qui bien sûr sont sortis tous en dessous du prix IDO, en fait. Parce que quand on est en bear, eh ben, on fait les idéos un peu. Moi, j'étais en private et quand ça sortait, ben, ça sortait toujours à la cave directement parce que c'était vraiment le marché de merde. Et en fait, bah, moi, dès que ça atteignait le prix d'achat, je balorguais tout parce que je voulais récupérer mes billes. Puis bon, bah, j'ai raté Celsius. J'ai fait la private de Celsius qui est montée à 8$. Enfin bref, après, je n'ai plus les prix, mais bon, si vous allez voir les graphes, pendant des mois, il était à 0,3. À 0,03, pardon. Et puis là, il est monté à 8. J'avais à un moment donné, j'avais 450 fantômes. 450 000 fantômes, pardon. Et puis c'est monté à 3 balles et quelques. Enfin bref. Celle-ci est pas mal. Elle est pas mal, celle-ci quand même. Celle-là, c'est pas mal. Ouais. Celle-là, ça fait mal au cul. Mais bon, des histoires comme ça, on peut pas. Enfin, on peut jamais savoir le futur. Et surtout que c'était une période où voilà, tout était mauvais. Quand j'expliquais, l'autre jour, j'expliquais quand un vrai bear market, ça peut être très très long, très ennuyeux. Eh ben, il suffit qu'il y ait un petit pic pour récupérer des billes que tu penses avoir perdu à jamais. Bah, tu prends l'opportunité, et puis bah, parfois j'ai foiré quoi. Et puis des layer 1, il y en avait plein hein, qui sortaient en 2018, hein, qui aujourd'hui m'auraient fait millionnaire, hein, mais on n'a pas la boule de cristal. Puis moi, je suis un pépérande. Moi, j'ai de la peine à garder des trucs. Hein, Kim? Ah ouais, c'est Mister Stable. Ah, Mister Stable, vous allez voir plus tard. Mister Livrea. On a Scarface qui est pas mal aussi dans le genre. 5000 Cardano à 3 centimes, vendu à 4 centimes. Mort d'attendre. Ouais, ça va valoir pas mal aujourd'hui. Combien ça vaut, ça, 5000 Cardano? C'est un peu rebaissé, je crois. C'est dans les 1,2$, quelque chose comme ça, 1,3$. Ah ouais, ça fait quand même 100K. C'est sympa. Voilà, joli Scarface, c'était bien dans le thème, là. Bien joué. Bonne. Après j'étais dans un groupe où ils ont testé Avax. Ils ont tous eu, enfin, pas mal ont eu des accès au testnet. Puis ils ont tous été récompensés de 2000 Avax, chacun. Il y avait Infinity aussi où chacun a touché ils ont rentré dans le testnet d'Infinity, ils ont chacun touché 2000 Infinity. Et puis voilà, c'est à l'époque il y a certains airdrops qui peuvent valoir des fortunes quoi. Donc il faut essayer de hold quand même, celui qui gagne à la fin, c'est peut-être ça quand même la leçon de tous ces miss. Ouais. J'allais dire, en général, les gens essaient de trader le marché, mais au final, en fait, il y aura toujours un bug qui va rattraper tous les autres au bout d'un moment, en fait. Et le hold, jusqu'à présent, c'est ce qui marche le mieux. Quoi. Voilà. Le problème, c'est que tu as besoin de cash pour aller voir ailleurs, pour faire des sauts, parce que tu penses que l'autre projet est meilleur. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et puis, tu as besoin de liquidité. Alors, à moins que tu réinjectes tous les mois, mais voilà, moi, ça fait quand même... là, ça va faire trois ans où je suis en free roll. Je compte rester en free roll. J'ai plus envie de mettre de la thune de ma poche dans les cryptos. Je comprends, surtout que tu étais passé par un bear market, ça, je pense que tu as traumatisé, ouais. Donc forcément, tu fais gaffe à tes arrières, hein, c'est clair. C'est totalement légitime. Oh, Coban, Emmerich, une petite anecdote pour finir cette rubrique. Oui, non, moi je n'ai pas eu ce type de malaventure, de mauvaise aventure dans le passé. Par contre, c'est vrai que je regrette beaucoup d'avoir...
d'avoir diffusé des rumeurs que je voyais traîner sur Twitter et qui ont fait que, par exemple, tout le monde a vendu les airdrops de leak dans la communauté, alors qu'après, cet airdrop a valu plus de 1 000 $, je crois. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment une grosse boulette que j'ai faite. Et l'autre regret aussi que j'ai, c'est quand j'ai dit à tout le monde que Solchic était un scam et qu'il fallait vendre à toute vitesse les Solchic. Alors qu'après, ils se sont vendus 20 Sol pièces. Donc, voilà, surtout, c'est pas des boulettes. Et surtout que toi, tu n'as pas vendu. Mais j'en avais qu'un. Et... Il faut bien préciser que. En fait, c'est Gomain qui a racheté vos bagues, les gars, si jamais on discute. Monsieur s'est pris les 20... Monsieur FUD et se prend les 20 sols, par contre. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Je l'avais mis en vente à 1 sol 3. Il n'est pas parti à 1 sol 3. Puis après, je me suis dit, oh, ben, je vais le garder. Je vais quand même tester ce jeu si un jour il sort. Parce que voilà, c'était ridicule. Et puis au final, voilà. Non, sinon, je m'en suis bien sorti. Mais voilà, je regrette un petit peu d'avoir diffusé ces informations. Allez, on finit avec Emeric. T'as une petite histoire pour nous? Ah, moi, ça fait pas très. Ouais, je suis pas un vieux de la vieille comme CryptoVGA, mais découvrir la DeFi sur Ethereum, ça pique un peu quand même au niveau des frais. Surtout quand tu es novice, tu vois de l'Ethereum, il faut le passer en wrap Ether, du wrap Ether, il faut approuver une transaction. De là, tu dois approuver ton swap, et en fait, tu te retrouves à payer. 4 fois des ou 5 fois des frais de gaz pour un simple swap sur un petit token que tu trouvais pertinent et à lâcher des frais Ethereum qui sont toujours aussi délirants. Donc ça, c'est la découverte du débutant sur l'Ether. Ah, ça doit être bien vacciné, ça, à force. Ouais, on comprend mieux. Tu m'étonnes, t'attaques direct sur Ethereum. 2 000 pour un swap, ça fait mal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Allez, on finit la rubrique avec un petit commentaire vers la fin. Évidemment, on avait dit qu'on ne parle pas du Solchic, donc on n'en parle plus de ces poussins de malheur. C'est terminé. Allez, une autre question rapidité. La troisième. Soir. Attention. Là, il faut être prêt à attaquer. Alors, taper sur le clavier. Il y a Scarface qui me dit que ceux qui ont déjà gagné ne devraient pas participer aux prochaines questions. Donc, il est assez fair play. On va dire que. C'est un seigneur. Un seigneur, grand prince. Bon, Scarface, tu ne participes pas, tu te l'appliques à toi-même. Bon, du coup, on va dire que tout le monde peut participer, c'est plus marrant. Bah, sauf si vous validez dans le chat. Voilà. Bon, la question, c'est. Ça, c'est pour les habitués. Qui est la mascotte de la Solana French Community? Ouh, ça va tomber. Qui va être le premier? Je ne les ai pas en live, moi je les ai un peu en décalé. Alors, un indice, ouais, ça, ils ont trouvé, c'est parmi les admins. Donc, qui est la mascotte? Koban n'est pas la mascotte. Conan. Ni Conan. Franco. Ouais, c'est encore c'est Scarface qui gagne encore. Ah, et Scarface. Ouais. Il est là pour. De Manu, ouais. Piste de Manu, ça marche aussi. C'est très, très bon, ça. Raska. Ah, Raska, ouais, c'est pas mal aussi. Non, Raska, c'est notre trader professionnel. Spécialiste du short et du long. Le flippiste de Manu pourrait partager le gain avec Scarface, là, parce que franchement, il est pas mal. La mascotte, on pourrait la mettre en photo. Là. C'est très bon, ça. Pas mal, ça, Lio. Allez, bien joué à vous. On note. Donc, encore Scarface qui gagne ce chacal. Vous notez, les gars. J'espère que. De toute façon, c'est dans la boîte. Donc, bien joué pour cette question. Bon, Scarface, il laisse, il a dit. Ah, mais du coup, il n'y a pas eu d'autre réponse. Bah, alors, écoute, on refait une question. Allez, donc du coup, on la donne au flippiste de Manu. Allez, flippiste de Manu, c'est pour Lio. Okay, c'est dans la boîte Lio, bien joué. C'est très bon. Allez, on enchaîne, deuxième rubrique du soir. La deuxième rubrique du soir, c'est une question que j'aimerais poser à nos experts et puis évidemment à tout le monde en commentaire comme la première. J'aimerais vous demander que faites-vous si demain ou après-demain vous connectez votre petit Phantom Wallet à Sonar, puis Sonar évidemment vous affiche aujourd'hui votre valeur totale atteint les millions de dollars, 1 million de dollars, votre bankroll, ça y est, vous étiez arrivé
avoir une valeur totale de vos tokens qui atteint le million de dollars. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous cash out? Voilà, vous arrivez à cet objectif que certains peuvent se fixer peut-être. Et qu'est-ce que vous faites? Vous atteignez le million. C'est quoi vos actions? Je vous écoute, chers experts. Je peux commencer de nouveau si vous voulez, mais bon, après, allez, vas-y, je peux faire. Déjà, je pense que je vais mettre la moitié sur Star Atlas, déjà. Non, ça, c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'avec 1 million, c'est déjà un joli milestone, un joli palier à atteindre. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est souvent l'objectif que tout le monde se fixe. Pour ma part, moi, je ne suis pas spécialement... j'ai pas vraiment des goûts de luxe, quoi. Je pense que je mettrais la moitié en immobilier, probablement. Et je pense que je garderais, sur les 500 000 qui iraient, je garderais, je pense, un bon 50% encore qui irait en farming sur du stable. Et après, encore peut-être 250K sur des large caps comme Solana, Bitcoin, et Ethereum, Avax, Luna, ce genre de choses. Et je laisserai simplement, on va dire, tourner le truc ad vita aeternam et on regardera ce que ça donne, quoi. Voilà. Ouais, mais si on... farmer du stable, t'es pas à l'abri que... Non, bien sûr, mais l'idée, ça serait en fait de répartir sur plusieurs blockchains et sur plusieurs protocoles aussi. Donc, tu vois, par exemple, tu peux mettre un petit peu sur Nexo, tu peux mettre un petit peu, je sais pas moi, sur Tulip, un peu sur, qu'est-ce qu'il y a, Apricot Finance, ou par exemple sur la Binance Smart Chain, tu peux mettre chez AAV, comment ça s'appelle, l'équivalent de AAVE sur la Binance Smart Chain, je me rappelle plus. Venus, ouais, Venus, ou AAVE, enfin bref. Curve aussi, ils font des trucs sympas là-bas. Donc, ouais, l'idée, ça aurait été vraiment de répartir au maximum mes stables pour que dans le cas où la blockchain, elle faille ou si le protocole a un problème de sécurité, bah, il me restera quand même des sous, quoi. C'est un peu la stratégie. Et après, avec en dehors de l'immobilier, peut-être que je m'achèterais une petite Mustang. Petite Mustang année peut-être 1960, tu vois, juste pour le côté un peu collector. Mais voilà, ça serait mon petit cadeau. Et peut-être aussi... un petit voyage au Japon. Ça me plairait d'aller faire un tour là-bas. J'ai jamais été et c'est une destination qui me plairait énormément. Voilà. Ok. Intéressant. Allez, on enchaîne. Koban, qu'est-ce que tu fais à le million là? Ça y est, tes tokens, tes projets. Le Koban a tout éclaté. T'en as pour 1 million de dollars là, sur Sonar. Là. Qu'est-ce que tu non, fais? Moi, je suis comme des sweepers. Je n'ai pas des goûts de luxe. Pour ceux qui le savent, je suis plutôt un entrepreneur, donc du coup, moi, l'argent, ça me démange. Dès que j'en ai, il faut que je l'investisse dans de nouveaux projets. Donc voilà, j'ai toujours très très peu en banque parce que voilà, l'argent, c'est fait pour travailler. Et du coup, dès que j'en ai, je l'investis ailleurs. Et je pense que je ferai certainement pareil, puisque voilà, non, j'ai pas envie de voiture de luxe ou quoi que ce soit. Ouais, ok. Ça, c'est et du, puis je suis écolo. Je fais surtout du vélo, si tu veux tout savoir. Donc, et j'achèterai pas de vélo de luxe parce que je me suis déjà fait voler 3 fois le vélo. Donc, un cadenas peut-être. De quoi? Un cadenas. Un cadenas, 1 million, tu prends un cadenas. Intéressant. Allez, GVA, qu'est-ce que tu fais du coup? Koban, c'est serial entrepreneur. Toi, qu'est-ce que tu en fais là? Le million? GVA, il les a déjà en fait. Il est mis en stable sur le livret A suisse et c'est bon. Ouais. Alors moi, le million, qu'est-ce que je ferais avec 1 million? Bon, peut-être que je rembourserais le crédit immobilier. Non, alors moi, si j'ai 1 million, bon, peut-être que j'encaisserai la moitié. Et puis, je verrai ce que je fais avec. Mais je garderai de toute façon 50%, en tout cas ouais, la moitié pour continuer à investir. Mais c'est vrai que moi, l'idée, j'aimerais bien avoir genre 2000 Solana, 50 Ethereum, un Bitcoin ou deux, et avoir un porte-monnaie chargé, mais avec plusieurs choses. Et puis aussi avoir du stable, bien sûr, parce que c'est ma monnaie préférée ces temps-ci. Et, et puis aussi retirer, parce que je dis toujours, hein, il ne faut pas hésiter de retirer, de prendre des bénéfices. Parce que de toute façon, des fois, on voit notre PF, un jour, il a, je ne sais pas moi, je dis des chiffres au bol, mais un jour, il a 10 000, et puis le lendemain, il a 8, puis le lendemain, il a 12, puis il se dit, putain, mais j'aurais pu prendre 2 000, et puis deux jours après, ces 2 000-là, je ne l'aurais même pas vu, quoi.
Et donc, c'est bien de prendre un peu de profit et puis, puis profiter un peu parce que bon, on peut tout perdre, on peut faire un rug, on peut. Ouais, faut juste. Si vous êtes en bénéf, faut. En tout cas, c'est la seule. Après, je vais m'arrêter là, mais le seul conseil que je peux vous faire, c'est que dès que vous êtes en bénéf, dès que vous avez, je sais pas moi, fait 2x2 ou 2x3 votre bénéf, il faut pas hésiter à sortir votre invest et puis être en free roll. Parce que vous allez prendre des décisions beaucoup plus facilement, beaucoup plus détendues, et vous n'allez pas stresser, quoi. Voilà, ça, c'est du seul conseil que je peux faire. Après, voilà, champagne, fille, restez poli, quoi. Emric, alors, le million, ça y est. Tous les invests sont tombés, il y a 1 million sur Sonar, là, 1 million du SDC, là. Ouais, bah, je pense comme de Swiffer, j'en cash out quand même une petite partie histoire de sécuriser. Mais moi, je suis un grand fan du farming, donc je trouve que c'est un bon compromis aussi de rester investi farming avec du stable. Donc après, il y a des risques, hein, bien évidemment, sur le stable en lui-même, sur là où on pose ses tokens, sur le protocole, évidemment. Mais voilà, je trouve que ça fait le job sans se prendre trop la tête. Si le marché dérouille derrière, bah finalement, on se prend que la moitié de la baisse. Et puis surtout, on a du rendement qui tombe tout le temps. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, je pense que j'en mettrai une partie là-dessus. Et puis, comme crypto, VGA, je pense que sur des beaux projets, des beaux layer one, des beaux projets d'infrastructures de long terme, en oubliant complètement un peu cette partie. Ah, en déconnectant quand même. Ouais, en déconnectant sur certains, parce que je pense que ce qui est assez amusant, c'est avoir tous les commentaires sur Jerome Powell dit ça, les taux, c'est ça. Mais en fait, si on part du principe que c'est des technologies qui sont complètement, qui vont casser des marchés, qui vont changer des habitudes, est-ce que une augmentation de 0,25% des taux, ça a vraiment une incidence sur Solana, sur tous ces projets qui se bâtissent derrière? Je suis pas convaincu, donc je pense qu'il faut enlever un peu le bruit. Encore une fois, le farming, je trouve que c'est top parce que ça fait le job pour soi. Ça, c'est automatique, c'est-à-dire que quand le token monte, en fait, on va vendre du token pour avoir plus de stable. Et quand le token baisse, eh ben, on va ajouter automatiquement. Donc peut-être des choses qu'on ferait pas avec notre psychologie, bah, ça se fait automatiquement dans la poule et avec, encore une fois, des yields qui sont plus qu'intéressants. Hein. Quand on se projette sur le yield ajusté du simple token, c'est juste énorme. Ouais, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. En tout cas, j'aimerais bien rebondir juste avant de passer la parole à Manu. Donc, on a Coban qui a réinvesti dans des projets. On a Crypto qui conseille de prendre des bénéfices. C'est important. Et puis, Emric qui fait, c'est hyper intéressant de faire un peu abstraction de tout ça, de vraiment croire en cette techno. Et puis surtout, comme tu dis, de farmer. C'est vrai que c'est intéressant. C'est des bons conseils, tout ça, qui sont donnés. Donc, le farming, c'est aussi hyper intéressant. Donc, voilà, tout que des bons conseils. On oublie un petit peu GVA qui a vraiment ses addictions qui sont sorties sur la fin. Mais en tout cas, pas mal de bons conseils. Alors, Manu, toi de jouer maintenant, là. On va quand même juste casser l'ambiance 2 secondes avec le commentaire de Flo, évidemment. Voilà, on vous l'affiche. C'est vrai. On n'oublie pas. C'est d'offrir un petit billet à Manu, pas à toi, pas à Kim, mais à l'autre Manu. Hop. Allez, Kim, à toi. Déjà, je fais donc en stable, hein, évidemment. Je sors en stable et je split sur 2 protocoles ou 2 blockchains pour éviter si jamais il y a une couille. Et pas ensuite pour bien réfléchir. Le temps de réfléchir, on peut se payer un petit champagne, évidemment. Et après, il y a 2 options. Soit j'essaye de faire de l'optimisation fiscale en France, ce qui est possible, notamment via les NFT ou via des montages avec des SASU ou des choses comme ça, parce qu'actuellement, il y a quand même des flous juridiques. Donc, il y a moyen de faire des choses. Ou sinon, le rêve, ce serait plutôt d'aller monter un Ventures au Salvador ou en Slovénie, un pays crypto-friendly, voilà. Et ensuite, investir dans des projets crypto, dans des privates ou des seeds, histoire de faire fructifier tout ça, quoi. Ah, donc, tu es quand même prêt à décoller, quoi.
Bah, pas forcément toute l'année, quoi, mais tu fais quelques ouais. semaines là-bas, histoire d'avoir un petit pied à terre, d'avoir une devanture, quoi. Et puis après, ou même, je sais pas, après les Ventures, ils sont plutôt aux Bahamas, dans les îles Caïmans, les choses comme ça, à réfléchir. Ok, allez, intéressant. Allez, on affiche un petit dernier commentaire pour la route qui concerne le Solchix et Coban, même si on a dit qu'on n'en parlait plus. Voilà, on a Romain qui veut récupérer son poussin de l'enfer qu'il a vendu à cause de Coban, on en rappelle, bien sûr. On... je plaisante, mais... Allez, Solchix, on n'en parle plus, ça va être le sujet tabou. On enchaîne, question rapidité. Allez, ouais. Parti là. Alors, quel est actuellement le nombre de validateurs sur Solana? Donc évidemment, celui qui s'en rapproche le plus ou qui donne la bonne réponse. One shot, évidemment, une seule réponse. Elles sont compliquées, les questions, quand même. Ah, il y en a pour tout. Bon, il y a Google qui aide aussi. Hein. Ah, il faut aller vite, là. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Drogba qui investit dans le cinéma à Budapest, une bonne idée. Ah oui, ça, c'est... très bon, ça, pardon. Dans Scarface, il répond 14 fois, mais après, il dit qu'il laisse les autres gagner. On a du 1000. Alors, ça tombe là ou pas? Il n'y a toujours pas la bonne réponse. On n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin, ouais. Pour moi, ça sera... Allez, une seconde ou deux encore. On n'est pas trop loin. Allez, 500... Alors, la réponse, c'est 1308. Donc, ça sera. Julien. Allez, c'est noté, c'est dans la boîte. Julien, $25 pour Noël. Tu prononces tous les noms à l'anglaise. Andorin, Julien. Allez, c'est cadeau. $25 qui tombe. On pourrait s'en faire une autre ou deux, là. Pour une question rapidité, là, il y en a 10 à passer, là. Allez, une petite, celle-là, elle est très facile. Très attention, faut être... Qui est l'expert NFT gaming parmi les admins? Allez, là, c'est la rapidité pure et dure. Ça va tomber. Je crois qu'il y a un délai. Dead. 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 Ouais, tu peux marquer Dead. Ouais. Dead Whiffer. Après, Dead Whiffer. Allez, on va l'accorder à Drogba, mais ça doit être une faute de frappe. Oui, non, je pense que c'est fait exprès, je pense, par rapport à mon anecdote d'avant, peut-être. je me dis, peut-être. Allez, la 5 est pour Drogba. C'est validé. La 5 est pour Drogba. Allez, ça marche. Impeccable. Qu'est-ce qu'on se fait la dernière rubrique du soir? Il nous reste un petit slide à passer. Il nous reste un troisième thème. Il nous reste quelques questions rapidité. Combien de questions rapidité on a passé? La 5? 5, ouais. Voilà, on peut faire la 6e et après enchaîner sur le troisième thème. Allez, c'est parti. Ouais. Encore 25 balles. C'est pareil. Alors, celle-là, elle est plus compliquée. Solana Ventures vient d'annoncer le lancement d'un nouveau fonds. À quel type de projet est-il consacré? Je vous la mets dans le chat si jamais vous n'avez pas vu. Ah là, ça va taper, ça va arroser du Google. Donc, c'est le gaming, on a la bonne réponse. C'est TISDE, TIS2, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est, tu es noté aussi. Allez, c'est noté sur la boîte. Bravo. Bien joué, bravo. Allez, troisième thème avant d'aborder la dernière rubrique qui sera un petit peu des faces cachées de nos admins que j'ai préparées sur certains admins. Avant cette dernière rubrique, donc troisième thème que j'aimerais aborder avec les admins, c'est l'addictologie aux cryptos. Donc, j'aimerais bien un petit peu que vous nous parliez de la fréquence. Au vaisseau, voilà, ça peut.
Non, pas au vaisseau. Pas au vaisseau, mais en général, vos tokens, comme, voilà, il faut. C'est important, je pense, qu'on en dise deux mots quand même, parce que ça peut rendre vite fou. Et puis, voilà, même quand tout à l'heure, on peut arriver au million, il y en a qui veulent quand même rester encore dans les cryptos, etc. Donc, voilà, la dictologie, il faut savoir aussi être connecté. Voilà, donc c'est pour ça que, à quel degré êtes-vous addict ? Voilà, c'est ça ma question que j'aimerais vous poser. Et n'hésitez pas, évidemment, à commenter votre degré d'addiction aux cryptos, à CoinGecko, au graphique du Bitcoin. Voilà, si vous regardez plus de 20 fois le graphique du Bitcoin par jour, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, quel est votre degré d'addictologie aux cryptos ? Addiction. La durée de sommeil, déjà, c'est un bon indicateur, je pense. Hein. Ah, la durée de sommeil, carrément. Ah ouais, à 3h du mat pour voir les cotations. Ben vas-y, Émeric, alors c'est quoi ton degré d'addiction ? Bah, je pense que oui, tu passes beaucoup de temps à regarder les cours, sûrement trop. Tu regardes beaucoup trop de chats, tu regardes un peu trop ce qui se raconte à droite à gauche. Je pense que souvent les meilleures décisions, c'est rien faire. Mais c'est vrai que le côté facilité, le côté notamment sur Solana, hein, je veux dire, c'est tellement simple de faire des transactions. Bah, souvent, tu surtraites des choses qu'en temps normal, tu n'aurais pas fait. Donc, voilà, c'est là où tu te rends compte. Après, quel est le degré, c'est toujours difficile de dire, mais je pense que les nuits sont plus courtes une fois que tu es dans la crypto-monnaie. Ça par contre, c'est souvent le cas. Ah, donc pas mal addict sur les cours en tout cas. Crypto, je vais, c'est quoi l'addiction ? Toi, tu sais plus, ça y est, c'est fini. Pas lui, il est en stade, il s'en fout. Non. Je short le marché. Il short, ouais. Il short les USDT, donc il ne prend pas de risque. Je short, mais j'ai une stratégie de trade sur 4 heures, donc en fait, je peux dormir tranquille. Parce que même, ma stratégie, elle fait que, oui, je regarde souvent la charte, mais beaucoup moins qu'avant. Mais comme j'expliquais, quand le marché est comme ça, un peu morose, et puis qu'il ne se passe pas vraiment de trucs comme il s'est passé à la reprise après l'effet de mai, là, où d'un coup, on avait vu... le chat, il a commencé à aller à 200%. Là, quand on est un peu en période où tout est calme, moi, j'aime bien me tourner vers le trading pur et simple. Voilà. Ouais, donc, trading simple. Donc là, t'es assez zen, quoi. Tu dors bien. Je dors. Koban. Oui, addict, oui, plusieurs heures par jour, ça c'est certain. Non, les graphiques, je les regarde assez peu. Moi, c'est plutôt Twitter et Discord. Là, c'est vrai que je passe énormément de temps dessus à fouiner, à chercher des projets. Et Telegram aussi, mais de moins en moins. Et voilà, pour mon addiction. Ah, Twitter, Discord, c'est intéressant quand même ça. Les graphes de moins en moins, parce que finalement, c'est... Souvent, c'est pas assez logique pour moi, je trouve. Les cours des tokens ne suivent pas forcément la logique, ou en tout cas ma logique. Du coup, ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc, voilà, maintenant, je fais beaucoup de DCA. C'est-à-dire, je me fixe chaque semaine, tel jour, telle heure, je vends ou j'achète. Et finalement, c'est beaucoup moins de stress et c'est beaucoup plus efficace. Ok, ouais, donc évidemment, tu as ton côté détecteur de projet, donc toi, c'est ça qui te fait vibrer, donc c'est pour ça que tu vas essayer de fouiner Discord et Twitter, donc c'est intéressant. Donc, si vous aussi vous voulez essayer d'aller dénicher des projets, donc Discord, Twitter, c'est là où tu as le plus d'infos. Mais sinon, pas trop addict aux cours ni à tes placements, en fait, bah oui, ça reprend un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Avec le million, toi, tu réinjecterais dans des projets, donc. Ça suit, c'est logique. Manu, ton addiction. Ah, moi, je suis avant de finir par le plus grand drogué, évidemment, on finira en beauté. J'essaie de pas trop regarder CoinGecko, mais bon, des fois, j'ai le doigt qui rip automatiquement.
Après, le plus compliqué à gérer, c'est bon, vu que je suis obligé quand même de venir sur Telegram pour un peu regarder ce qui se passe, des choses comme ça. Le plus compliqué à gérer, c'est tout le monde qui se fud entre tous. Ça va chuter, ça va si. Et toi, t'es là, tu regardes, tu fais non, mais il faut tenir. Puis après, t'en as encore un qui te dit ouais, mais si, il y a machin, il a partagé cette news. En fait, c'est ça le plus compliqué. Ça va dans le même effet que le FOMO. Hein. Des fois, quand il y en a un qui trouve un projet, t'as l'impression que tout le monde, il faut qu'il aille dedans. Donc, il faut un peu prendre du recul. Parce que j'espère que j'arrive à le faire, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi là au mois d'octobre, novembre, où j'ai tenté des coups, par exemple sur Cropper, qui ne sont pas passés. Donc pour l'instant, hein, on ne sait jamais. Mais du coup, j'essaie de faire un peu moins n'importe quoi et de prendre des décisions plus réfléchies. Ouais, donc addict, mais on essaye de se soigner de ton côté. Comment vous réglez, madame? Carte bleue, espèce, parotte ou Coban? Pas mal. C'est pas mal, ça se chauffe. Enfin, les désulfures, votre addict, comment tu gères ça? Bah, alors, moi, savoir une chose quand même, c'est que je suis peut-être pas dans la même situation que vous, dans la mesure où, en fait, moi, j'essaie d'en vivre. Donc, forcément, je suis obligé de surveiller quand même... de très près en fait ce qui se passe. Alors c'est vrai que moi je regarde pas tant que ça les graphes, si quand même, je vais pas vous le cacher, surtout sur FTX, je regarde surtout le Bitcoin en fait, le Solana et même Ethereum je regarde pas trop, parce que c'est quand même le Bitcoin au final qui drive le marché. Vraiment je pense que je suis plutôt comme Coban aussi, je dirais que je regarde énormément de choses sur Twitter, sur Discord et sur Telegram, parce que c'est là où en fait il y a de l'information à aller chercher, notamment sur les nouveaux projets qui se lancent. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être la DeFi, ça peut être les NFT, ça peut être les play to earn, ça peut être le metaverse de manière générale. Il y a vraiment une mine d'or en fait qui n'attend que d'être découverte en fait, et c'est vrai que c'est difficile des fois de mettre des barrières en fait à ce genre de choses, parce que je dirais que je passe au moins 8 heures à 10 heures par jour à faire essentiellement ça en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialement là en train de juste essayer de faire du trading ou ce genre de choses, mais plutôt vraiment de chercher des projets avec des fondamentaux qui me paraissent intéressants. Et j'essaie du coup d'en profiter tout simplement. Parce qu'effectivement, il faut savoir aussi une chose, c'est que là actuellement, on est en bull run. Peut-être pas, je ne sais pas en fait. On est à une charnière, on va dire, on peut encore repartir pour une belle jambe haussière, c'est totalement faisable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les opportunités, elles sont quand même limitées dans le temps. Ça ne va pas durer éternellement. La hype que l'on voit actuellement sur le métaverse, c'est la même hype qu'on avait vue sur les NFT. On a bien vu que la bulle a vite explosé. Hein. Et donc, il faut en profiter du momentum et essayer de faire fructifier au maximum son portfolio, tout simplement. Voilà. Ouais, donc toi, tu as l'espèce de facteur temps quoi, qui rentre en compte. Exactement. C'est ça. Après, oui, parce que tu parles d'un petit marché de niche. Tu n'es pas sur les crypto-monnaies en général. Quoi. Donc, tu essayes de faire du rapide sur la mode du moment. Quoi. En fait, je cherche surtout des IDO, des projets qui ne sont pas lancés, c'est d'entrer en public sale, enfin bref, en pré-sale quoi, de manière générale. Ça passe notamment par CoinList, hein, par tout ce qui est Launchpad aussi, donc Redium par exemple, même StarLaunch du coup, j'en ai aussi. Je trouve le projet qui est quand même très intéressant, qui sort un peu du lot. J'ai quand même des gros caps, hein, comme Solana, BTC, Ethereum, j'en ai toujours, hein, c'est la plus grosse partie de mon portefeuille, en dehors de Star Atlas bien évidemment. Mais là, j'ai pas la même approche, on va dire en fait. Vraiment, ouais, tout ce qui est Solana, vraiment tout mes large cap, en fait, je les laisse un peu dormir. Je ne suis pas trop inquiet non plus par rapport à ça, parce que j'ai quand même du stable en plus de tout ça. Donc, le prix, il ne me dérange pas trop, en fait. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment là, chercher des projets prometteurs. C'est surtout ça, en fait, qui me prend du temps. Voilà. Ok. On a une petite question avant de passer à une question rapidité. Lio, encore une fois, qui nous demande si ça compte d'être addict à Alpha League Racing. Non, ça compte pas, c'est pas la crypto, c'est juste du gaming, c'était addict au chrono, c'est bien. En tout cas, il y en a pas mal qui regardent les chronos, là, je vois que ça a bien fonctionné la mad hier. Sur Alpha League Racing, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit le Telegram de Coban ou le Telegram de Solana French Community, bien sûr, pour les liens, pour participer à une semaine
de courses contre la montre gratuitement et essayer de gagner des 5 NFT. Donc, les 5 premiers, il me semble, sont récompensés. Donc, voilà, gratuitement, les 5 meilleurs chronos auront un petit cadeau. Allez, question rapidité. Est-ce que je peux juste intervenir par rapport à ce que disait des Swiffer? Je ne pense pas que ce soit un effet de mode, le gaming sur Solana. Je pense vraiment que ça va être quelque chose de très important et de très gros. Comme l'a dit Kim dans une de ses questions avant, il y a un fonds Solana qui est créé pour financer les projets dans le gaming. Et pour rebondir sur Lama qu'on a eu un petit peu plus tôt, il expliquait que justement ces projets gaming ne seront pas impactés par les bear markets. Et c'est vrai, s'il y a des joueurs, après tout, ils vont jouer tout le temps. Donc c'est vrai que ça risque aussi d'avoir une importance sur le cours de ces tokens-là. Et aussi, on a vu que les NFT, bon, qui est une mode, mais les NFT qui sont maintenant liés à des jeux qui sortent ou qui vont sortir, prennent quand même une certaine valeur. On l'a vu donc avec les Poussins, on le voit également ici avec Mini Royal. Génopet, Aurori aussi. Voilà, donc moi je pense que pour moi les NFT qu'on a vu jusqu'à présent, c'était une sorte de transition, mais les NFT qui arrivent et qui servent à utiliser des jeux vidéo, moi je vois ça plutôt comme si par exemple on achetait une cartouche de jeu vidéo, en fait on achète un NFT qui sert de droit d'entrée pour ce jeu vidéo et qui prendra de la valeur évidemment en fonction de l'intérêt du jeu vidéo et sa capacité à attirer les foules. Alors moi je suis quand même globalement d'accord avec ton point de vue, en fait. C'est pour ça que moi je suis tellement investi sur Star Atlas. Moi j'y crois dur comme fer, c'est de la conviction personnelle et je vise des années, je pense, d'investissement. Je compte pas juste rentrer pour sortir, mais je reste quand même vachement perspicace et lucide parce qu'il y a énormément de projets Metaverse et K2M qui se lancent à l'heure actuelle. Et ceci, je pense qu'il y a moins 90 à 95% qui vont totalement disparaître d'ici l'année prochaine, en fait. Enfin, je parle d'ici fin 2022. Et donc, c'est pour ça, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent, il y a beaucoup de hype, c'est facile, entre guillemets, de faire des profits sur les IDO de jeux Metaverse, parce que c'est un peu, voilà, il y a beaucoup de hype par rapport à ça, mais quand la hype va redescendre, en fait, c'est seulement les projets les plus solides d'un point de vue fondamental qui vont survivre, en fait, dans ce milieu qui sera extrêmement compétitif, en fait. Donc, c'est pour ça que, effectivement, moi, je suis pas non plus trop, j'ai pas trop peur du futur pour les projets comme vraiment Aurori. Je pense notamment à Aurori et à Star Atlas ou même Genopet. Je pense que c'est des projets qui vont quand même durer dans le temps. Mais quand je vois tous les autres qui sortent toutes les semaines, plein de nouveaux projets, je me dis que ça, ce n'est pas viable, en fait, sur le long terme. Il y aura forcément des grands perdants et des grands gagnants, en fait. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y aura que très peu d'élus. Mais pour ceux qui veulent, voilà, gagner un peu d'argent, c'est comme toutes les cryptos, c'est-à-dire on achète les rumeurs et on vend les news. Et je pense que voilà, il y a de l'argent à se faire, en tout cas sur des projets qui semblent prometteurs. Après, le tout est de vendre au bon moment si le jeu n'est pas à la hauteur par la suite, par exemple. Tout à fait. Moi, ce sujet au niveau des jeux, j'écoutais la dernière fois l'interview d'un CTO qui va lancer un gros métaverse, et il expliquait qu'il y avait eu plusieurs vagues, et la première vague, c'était la révolution avec les touchscreens sur tout ce qui est Nintendo DS et choses comme ça. Ensuite, il y a eu la révolution des jeux mobiles, où là, ils ont pris un gros marché, et la prochaine, ils pensent, après c'est son avis, et que je partage, c'est la révolution, ce sera les jeux blockchain. Voilà. Avec notamment tout ce qui est play to earn, connecté avec des métaverses, des choses comme ça. Donc là, il faut se dire qu'on est très, très, très early. Et il y a. C'était qui partageait ça tout à l'heure? Le CEO de Coinbase qui expliquait qu'il y avait 10% des Américains actuellement qui avaient des cryptos. Et qui s'attendait, et dans le monde, c'était 200 millions de personnes, et qui s'attendait rapidement à un x5 atteindre le milliard d'ici pas longtemps. Donc, vos bugs vont pumper, les gars. Il suffit de bien sélectionner ces projets. Voilà. Ouais, c'est ça le plus important. Vraiment, sélectionner avec soin vos projets, ouais, effectivement. Ayez un peu de conviction aussi, et vraiment, ouais, prenez le temps de bien comprendre ce que vous achetez, en fait, tout simplement. Bon, ben, c'était une rubrique assez riche au final, cette rubrique addiction. On enchaîne les questions rapidité. Ouais. Alors, il y a combien il en reste des questions rapidité là?
Il en reste 4. 4, allez, on en fait 2 et puis on finit avec un petit slide pour essayer de découvrir un peu plus près vos admins préférés. Donc, allez, deux questions rapides. Comment s'appelle l'organe politique suprême qui assure la direction du channel Telegram de la Solana French Community? Suprême leader. L'organe politique suprême. Le FMI, non, on n'est pas comme le... Drogba, c'est... Drogba qui gagne. Bien joué. Lio arrive un peu tard. Ça tombe. Ça tombe. On a comme le FN aussi. Il tombe bien. Ça tombe pour Drogba. Talent Drogba. Aïe, il est devant, bien joué. Allez, nouvelle question. Alors celle-là, elle est, attention, elle est plus compliquée. Le projet Shingari est devenu la plus grosse IDO d'un launchpad Solana. Quel montant a été levé? La mer Noire. Excellent. Ah, le montant à la plus grosse IDO Shingari. Ah oui, ah, oui, c'est le, sur Solrazer, ça? C'est le truc. 12 milliards. 12 milliards, putain, ça... Ouais, ça fait un peu beaucoup de temps. 150 millions dès la réponse D. 20 millions. 4 milliards. 4 milliards, solide, les gars. Vous avez des grosses bankrolls. Et quelqu'un sait, c'est un projet de quoi, Sean Gary? C'est une bonne question, ça. Ah, d'accord. Non, c'est le TikTok indien. Ah, voilà. Ah, ah oui. Donc, la réponse, c'est 16 millions. Donc, le plus proche que je vois actuellement, c'est Catalan, qui a donné 14. Allez, bah, c'est gagné. C'est gagné pour Catalan. Bien joué. 14 millions. Impeccable. Ah, ça fait pas mal. Hein. Belle IDO. Hein. Impeccable. Allez, on enchaîne. Dernière rubrique de la soirée, avant de finir ce vocal de Noël. Et on finira par les deux questions de rapidité après ce petit QCM for fun. Le premier slide est pour Deswiffer. Donc, en fait, le but de la rubrique. Vous voyez bien l'écran, là, c'est impeccable. Donc, le but de la rubrique, remonte, gâche pas la surprise, remonte. C'est cool, ça. Donc là, voilà, le but de la rubrique, il y a plusieurs affirmations. C'est d'essayer de trouver lesquelles sont justes. Sachant que il y en a pas mal qui sont justes dans les affirmations suivantes. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez une nouvelle affirmation concernant des Swiffer, mettez-nous-le en commentaire. Allez-y, alors, c'est parti pour le premier slide. J'espère que vous allez bien le voir à l'écran. Petit disclaimer, je suis pas du tout courant les gars, donc allez pas se cacher de des Swiffer. Donc parmi ces affirmations suivantes, quelles sont les affirmations qui sont vraies? Lorsqu'il voit un bouton Meet, il ne peut pas s'empêcher de cliquer dessus. Donc, la réponse A, B, la famille voulait qu'il soit pilote de ligne. Il va prochainement ouvrir une concession de vaisseau. Il s'est fait tatouer Star Atlas sur le torse. Il cherche des sponsors pour faire le plein d'essence de ses vaisseaux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez aussi répondre la réponse F, c'est-à-dire la réponse A, B, C, D et E. Ça, c'est les quatre premières. Ah, les quatre premières, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, en tout cas, voilà, des Swiffer qui est addict Star Atlas et qu'on aura l'occasion de recevoir un AMA, bien sûr, puisque c'est lui qui connaît le mieux le projet Star Atlas. Il connaît de... Mieux que le CEO. Oui, mieux que le CEO, sûrement. Il y a une démo Star Atlas qui est jouable bientôt. Allez, c'est justement, c'est le but aussi de parler de ça. Si vous voulez tout savoir, en fait, apparemment, bon, après, je sais pas si c'était encore mis à jour, j'ai pas regardé le Discord, mais normalement, ils auraient dû lancer du coup Score, qui est l'intitulé en fait du tiers zéro des missions de vaisseau. Ça devrait sortir entre 20h et 1h du matin aujourd'hui. Donc, a priori, ça devrait pas tarder. Ça, c'est dans l'immédiat. Hein. Après, il y aura d'autres choses qui vont sortir, mais là, ça, c'est le... C'est quoi, concrètement? Il y a quoi dessus? Bah, concrètement, il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. Vous aurez, du coup, des ressources à gérer par rapport à vos vaisseaux. Vous aurez du carburant, vous aurez de la nourriture,
des comment on appelle ça, aussi des kits de réparation pour réparer vos vaisseaux si jamais ils sont endommagés. Et en gros, ces vaisseaux-là, vous allez donc les stacker. Et en échange, vous allez recevoir des tokens Atlas en reward. Donc ces tokens Atlas, après, vous devrez les réutiliser pour racheter de nouveau des ressources, pour de nouveau faire fonctionner vos vaisseaux, pour de nouveau les envoyer en mission. Et vous pourrez également racheter, par exemple, d'autres vaisseaux ou plein de collectibles, en fait, sur la marketplace de Star Atlas. C'est vraiment la première étape, en fait, du mini-jeu. C'est pour faire patienter, en fait, les investisseurs jusqu'à la sortie du jeu. OK. Bon, et même la personne qui a un petit vaisseau à $135, là, il va pouvoir faire ça aussi ? Ou il y a tout à fait. Il n'y a aucune limite de budget, en fait. Et puis, pour ceux qui ont justement acheté un vaisseau avant, depuis hier, en fait, vous aurez du coup un bonus. Vous aurez un plein gratuit de ressources pour votre vaisseau. Et ça coûte quand même à peu près, de ce que j'ai compris, 20% de la valeur de votre vaisseau. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, félicitations aux personnes qui ont acheté du coup un vaisseau hier. Vous aurez du coup ce fameux plein gratuit qui est non négligeable. Et vous pourrez enfin commencer à faire fructifier, en fait, vos vaisseaux, simplement. Ils vont vous rapporter un rendement en Atlas. OK. Évidemment, on finit par la vérité, Léo. Toutes les affirmations sont vraies, effectivement. Je confirme. Ouais. On passe au deuxième admin qui va se dévoiler. C'est Franco, il n'est pas là, hélas, ce soir, mais on lui fait un petit clin d'œil. Donc voilà, ces petites. À vous de choisir les bonnes réponses. Donc, on l'appelle R Franco ou Franco Call to the Cave. Donc, parce qu'il rentre sur un projet, celui-ci a tendance à partir à la cave. Donc, si vous êtes très bullish sur un projet, donc que vous appelez Coban ou Emmerich, que vous avez des talents pour découvrir des projets, notamment assez early, prometteurs, il faut surtout pas en parler à Franco. Voilà. Donc ça c'est, oui, ça c'est vrai. Sa famille voulait qu'il soit trader, oui, c'est vrai aussi. Donc, il a un chat qui s'appelle Dump. Oui, on imagine que ça va être vrai. Il y a forcément un truc là-dessous, en tout cas. Oui, son meilleur call, oui, les flippies, évidemment. Il est évidemment là-dessus concerné par... 80%. On peut rajouter le bitspawn aussi, les gars. Le bitspawn, il est pas mal. Le problème, c'est que la liste était longue et en fait, ça rentrait pas. D'accord. En tout cas, voilà, on fait un petit clin d'œil à Franco qui n'a pas pu être là ce soir, donc voilà, qui aussi nous aide beaucoup. Et tout le monde sur le Telegram, donc on lui envoie un petit clin d'œil ce soir à Franco. Franco est rhabillé pour l'hiver, mais on l'adore, notre Franco, évidemment, notre mascotte nationale. Donc évidemment, voilà, c'était le petit clin d'œil du soir. Évidemment, la suite, c'est pour notre Coban adoré, notre boss. Le Coban, donc voilà le slide, je vous laisse réfléchir aux propositions. Pourquoi Coban avait disparu, évidemment, ça a été noté, souligné. Donc, Solana Foundation a débauché, c'est vrai. Il a eu aussi des problèmes avec des leaders BSC, on peut imaginer. Qui ont essayé de le convertir. Il n'a pas l'air d'être au Bahamas, en tout cas. Enfin, on ne sait pas, remarque. Il dort plusieurs jours. Donc là, on se rapproche de la vérité avec la réponse D. Notre Coban adoré. En tout cas, on l'a retrouvé ce soir. Coban, est-ce que tu peux nous commenter ceci, s'il te plaît ? Là, ça y est, il est au Bahamas. Ah, ça y est. Il s'est déconnecté. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'il nous confirme le pub English. Il passe dans le tunnel au Bahamas, là, je crois. Attention. Ça capte plus sur la plage. Allez, dernière, avant-dernier slide, évidemment, pour le boss, avec pas mal d'affirmations. Vous allez apprendre à mieux le connaître. Donc, l'île, le château, ça, c'est vrai. Son seul talent, c'est de savoir s'entourer des meilleurs admins et experts sur le marché. C'est indéniable. C'est la preuve avec Franco. Non, Franco, c'était pas pareil. Mais on voit quand même que le nouvel admin Emmerich qui est arrivé, c'est du très lourd. On est hyper content de l'avoir avec nous.
Donc, il nous régale quotidiennement. Il fallait un peu contrebalancer avec la dernière, quoi. Qui était il nous régale quotidiennement, donc c'est, c'est cool. Il adore investir dans des projets français, ça, c'est évidemment un vice qu'il a. Et, si vous voulez jouer au mini-golf la nuit avec lui, c'est possible aussi, évidemment. Tant que vous n'êtes pas dans la même salle que lui, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, évidemment, il va y avoir des objets volants. Des écrans volants. Identifiés. Évidemment, son réseau dans le monde des cryptos est immense. Celui qui est là depuis fort longtemps, aussi gros que le bag de stable de VGA. Mais je connais Coban, quoi. Voilà. Tout simplement. C'est vrai. Allez, et dernière, on va vous solliciter pour la dernière, évidemment. On va essayer de... Il y aura des petits dollars à gagner pour ceux qui arrivent à trouver des pseudos pour les admins. Là, le meilleur pseudo d'admin, là, il va repartir avec un petit cadeau. Oh, à vous de jouer, là, la communauté, là, sur les commentaires. Incroyable. On vous attend, là, les meilleurs... je vous propose que les meilleurs surnoms soient imposés à l'admin pendant au moins une semaine, là, sur le... qui se rename sur le Telegram. Jusqu'au prochain vocal. Je veux dire. Voilà, jusqu'au prochain vocal, il va falloir aller. Faites preuve de créativité là. On peut remettre $25 pour celui qui va nous trouver le meilleur pseudo sur le meilleur, sur un admin, peu importe lequel, évidemment. Faites-nous rêver là. C'est un $25 à la clé là. Trouvez-nous un pseudo. Évidemment. Fun pour un admin. Call of the Cave, pour l'instant, il est. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Franco Crypto Abyss, le pauvre Franco, c'est encore lui qui va être la cible de. Crypto Abyss, c'est pas mal. Call of the Cave, c'est pas mal aussi. On a du lourd quand même. Crypto Abyss pour l'instant, Andorine, comme dirait GVA. Bon, on valide Crypto Abyss, je vais lui mettre de ce pas dans le. Franco from Downtown. Ouais. Ouais, mais c'est trop long ça pour le. Mettre NFT. MRX sans briques. Vous pouvez m'appeler Commander maintenant, les gars, vu que j'ai acheté mon premier vaisseau sur Star Atlas. Bon, allez, moi je valide pour Franco, là, c'est bon. Ouais, je vais lui mettre tout de suite. Hop. Franco Crypto Abyss, c'est pas mal. Allez, c'est gagné pour un Andorin, bien joué. Bien joué à toi. Andorine, pardon. Allez. En réponse à Kim, le petit commentaire. Allez, on finit avec les deux dernières questions. Rapidité du jour. Qu'est-ce que tu as dans le menu? Attends, j'étais en train de changer les trucs de Franco. Allez, ça arrive. Ici. Alors. C'est français, pas espagnol, ouais, oui. Andorin, bien sûr. Andorin Julian. Citez-moi 4 projets NFT sur Solana. Premier rapide. C'est facile, ça, les gars. Citez-moi quoi ? 4 projets NFT sur Solana. On parle pas de Sol Chic. Et encore moins des flippies. Hein. Ça compte pas, ça. Ouais. C'est un des vrais projets NFT, les gars. C'est qui ? C'était Foon qui m'a fait acheter. Foon, et puis je crois. Je sais plus qui. Des solapés. Starlaunch, c'est un projet c'est pas un projet NFT, Starlaunch. Non, solapé. Non, mais je regarde les réponses. Pas vraiment, non. Oui, Starlaunch, il y a quand même des NFT, non. Donc, il y en aura plus tard des projets partenaires qui vont se lancer sur leur marketplace, mais c'est pas directement un projet. On a Lio qui a gagné. Ah, il y en a qui ont fait des jolis bacs de dollars, hein. Pas mal ça. C'est gagné pour Lio là encore. Ouais. Oh God, je me pète au riz. ALR, Star Atlas, Star Launch, Stolchix. Ça marche pas ça non plus juste avant. Sol God, c'est quoi? Je connais pas. Florian là, ça marche pas là?
Je crois que Lionel, justement, il y en a un comme profil picture sur Telegram. C'est un vieux projet déjà. Enfin, on va dire c'était déjà plusieurs mois, je crois, ce projet. Bon, et la dernière question, je veux l'orthographe correcte pour le gagnant. Comment s'appelle le fondateur de Solana? Et le nom complet, du coup? Nom, prénom est bien écrit. Ah ouais, punaise, pas facile ceci. Sans faute d'orthographe. Non, Lio raté. Sambank.frid raté. Le barbu raté. Anatoly Yakovenko, c'est Jérémy, du coup, qui gagne. La dernière question. Ah, bien joué. Allez, le Père Noël est bien passé ce soir. Écoutez, les gars, merci à tous pour ce petit vocal de Noël. J'espère que les rubriques vous ont fait un petit peu sourire ce soir. En tout cas, on a bien aimé Star Launch. C'était assez énorme d'avoir Colton ici. Merci à vous. N'oubliez pas de liker YouTube, de partager. En fait, c'est très simple. On a besoin de ça pour pouvoir faire venir les projets. Hein. Star Launch, on a la chance d'avoir un petit réseau, mais bon, voilà, si on arrive à avoir des nombres de vues importants, que ça tourne bien, etc., on pourra avoir du plus en plus lourd en termes de projets, en termes d'infos, en termes de cadeaux pour vous aussi. Donc voilà, c'est gagnant pour vous. Donc n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous. Prêchez la bonne parole Solana. Faites gagner des dollars à vos amis. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça, à partager la vidéo autour de vous. Évidemment, à liker la chaîne. Merci à nos experts qui nous ont régalé ce soir. Merci Emeric pour la traduction en live sur Star Launch, c'était génial. Merci. Merci beaucoup. Franchement, tu avais vraiment bien assuré. Merci Kim, merci Desuffer, merci Crypto. Merci pour l'animation. Merci pour l'organisation. Merci pour ces dernières rubriques qui étaient vraiment sympathiques. Franchement, c'était bien pensé. C'était vraiment pas mal. Bon, allez, j'espère en tout cas que vous avez bien souri. N'hésitez pas pour les dollars, bien sûr. Ce sera en privé avec vos wallets, on vous enverra les dollars, tous ceux qui ont gagné, on a tout dans la boîte de toute façon, donc pas de problème pour vous, nos soucis comme d'habitude ça va arriver dans les dollars rapidos pour vous. Écoutez, bonne soirée, puis on se donne rendez-vous en janvier là. On peut couper un petit peu pendant les fêtes, n'hésitez pas à déconnecter aussi comme on a dit tout à l'heure, ça fait du bien aussi. Et puis rendez-vous en janvier pour du gros lourd, on a déjà du gros lourd qui est programmé en amas grâce à nos détecteurs de projets, nos trackers de projets. On a du lourd qui va arriver à Nama, donc ça va être sympa aussi janvier, ça va bien bouger, donc rendez-vous en janvier sur YouTube, encore une fois. Et évidemment, passez de bonnes fêtes à tous en famille, et je vous dis à l'année prochaine, les gars. Ciao, ciao. Merci. Bonne fête à tous, les gars. Merci à tous, et belle fête. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ouais.